Prenez des notes parce que ça va vous permettre d'adapter en fait ce que je dis à votre secteur d'activité, savoir les choses importantes. Mais après, vous recevrez donc la présentation là en vidéo qui sera envoyée par Eric et ses équipes. Et comme je vous le disais, ça c'est un petit module qui est extrait d'une formation complète que vous allez aussi recevoir. Je pense, je suis en train de la finir, peut-être que je la finirai cet après-midi, mais ça dure, on va dire, entre 4 heures ou quelque chose comme ça. Donc en fait, vous aurez un module qui sera encore plus complet. Donc l'objectif de cet atelier, il est vraiment très simple, c'est comment en fait vous allez voir pour, entre guillemets, automatiser vos ventes, ou en tout cas, maintenir une relation régulière avec vos clients et prospects, pour tout simplement augmenter vos ventes. Alors moi, c'est des outils que j'utilise depuis quasiment 10 ans, alors que ça a beaucoup évolué en 10 ans, et c'est vraiment un système qui permet, je ne dis pas de mettre son business sur pilote automatique, mais ça permet en fait de simplifier beaucoup de choses. Parce qu'en fait, il faut beaucoup d'humains, il faut beaucoup de relationnel, c'est super important. Mais il faut également savoir où il faut déléguer ses tâches et automatiser, et où il faut mettre de la valeur. Donc, moi, en fait, je l'ai utilisé dans toutes les entreprises dans lesquelles je suis passé. J'ai toujours mis du marketing automation, et c'est vraiment quelque chose qui peut simplifier les choses. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cet atelier qui va durer à peu près 2 heures? Alors, pourquoi c'est intéressant le marketing automation? Qu'est-ce que c'est? On va voir en fait comment on va pouvoir créer une première séquence. Donc une séquence, c'est un scénario de message. Et ensuite, on va voir les deux méthodes pour faire du marketing automation par email. Alors je me suis vraiment concentré sur le marketing automation par email parce que c'est le plus facile et c'est le plus courant. Mais vous avez bien d'autres outils de marketing automation qui existent et qui permettent par exemple de faire de l'automatisation sur Facebook avec ManyChat ou Chatfuel. Vous avez plein d'autres outils, mais on va vraiment se concentrer là-dessus. On peut même allier emailing plus SMS, par exemple, on parlait de SendinBlue tout à l'heure, hein. Il y a d'autres outils comme ça qui permettent d'allier du multicanal. Donc je vais vous présenter un cas pratique avec ce que je fais moi, et moi j'utilise GetResponse, mais comme je vous le disais, on peut utiliser SendinBlue, on peut utiliser Mailchimp, on peut utiliser ActiveCampaign, on peut utiliser SG Autorépondeur, on peut utiliser énormément d'outils. Le tout en fait c'est de se lancer, c'est ça qui est le plus compliqué. Si vous avez des questions, je suis vraiment à votre disposition, posez-les directement lors de l'atelier, là on est vraiment ensemble pour échanger, puis après il y aura la petite session après derrière. Donc au sommaire, c'est quoi le marketing automation, quels outils, quel prix, et on va commencer en fait par tout ce qui est objectif, persona et scénario. En fait grosso modo il y a 8 étapes pour mettre en place le marketing automation. La plus grosse étape c'est vraiment de réfléchir à ses objectifs, au persona, au scénario. Ensuite, essayez de récupérer des contenus existants sur votre article, sur votre blog ou des choses que vous avez déjà écrites. Produire du contenu spécifique, généralement c'est des emails que vous avez fait ou des outils qui manquent. On parlera tout à l'heure que pour décider la personne à commander, à vous appeler, à prendre un rendez-vous, il faut lui donner un bon prétexte. Et par exemple pour vous, c'est des rapports d'études, c'est comment je pourrais calculer le ROI d'un nouveau truc d'emballage ou d'une nouvelle machine à emballer. Là, les gens peuvent être intéressés en disant voilà, je peux vous expliquer comment diminuer de 15% le prix de votre emballage ou comment améliorer la productivité de vos occupes dans l'emballage de 5 à 10% en un mois, quoi, un truc comme ça. Moi, je le fais par exemple dans le domaine des chatbots. C'est voilà, vous voulez mettre en place un chatbot. Comment je vous explique comment calculer le ROI de votre outil. Et donc, en fait, là, s'il veut avoir l'outil des ROI, faut qu'il m'envoie un petit mail et qu'on passe du temps ensemble. Et ça permet comme ça de détecter des projets très rapidement. Donc on verra en fait comment mettre en place un autorépondeur. C'est vraiment le niveau, je dirais pas zéro, mais le niveau le plus simple, le niveau débutant du marketing automation. C'est-à-dire qu'on va programmer une séquence de messages. C'est vraiment très simple à faire. C'est ce que je recommande de faire en premier. C'est ce que j'ai fait pendant des années. La deuxième chose, c'est de mettre en place le trigger marketing. C'est le niveau un peu plus avancé, intermédiaire. Là, on rentre vraiment dans ce qu'on appelle le vrai marketing automation, où on va vraiment faire du marketing comportemental, entre guillemets. C'est-à-dire que selon que la personne elle a ouvert, cliquer, etc., etc., on va lui envoyer des messages différents. Alors, une petite intro, d'abord, qu'est-ce que le marketing automation? Alors, j'ai mis une petite image illustrative, un peu caricaturale, mais en fait, le but, c'est de faire travailler l'ordinateur pour vous, et pas vous reposer, mais vous concentrer sur ce qui a le plus de valeur ajoutée. Donc, le marketing automation, c'est des technos et des outils qui permettent d'automatiser des processus et des actions très simples, sur plusieurs canaux, email par exemple, SMS, ça peut être aussi du web ou des choses comme ça, selon des scénarios prédéfinis. Donc en fait, Souvent, ça consistera à simplifier le parcours client, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui est prospect, et le but, ça va être de le faire passer le plus rapidement possible en client. Et donc, pour cela, en fait, vous allez mettre en place tout un système d'incitation, de facilitation, d'appel à l'action. Ça permet également de réaliser des communications personnalisées. Donc, bien sûr, mettre le prénom des gens, mais on va aussi dire, bah, tiens, quand vous avez acheté tel produit, que vous avez fait telle action, bah, vous serez capable de faire, vous avez besoin plutôt de faire ceci, cela. Et ensuite, d'automatiser les tâches à faible valeur ajoutée. C'est bien sûr tout ce qui est relance téléphonique, etc. Enfin, relance email au minimum. Donc souvent, quand on parle de marketing automation, et en particulier de marketing automation par email, on me dit, bah, ok, quelle est la différence entre une newsletter, que vous envoyez sans doute, un autorépondeur, donc je vous ai parlé il y a 2 secondes, et ce qu'on appelle le trigger marketing, c'est vraiment le marketing comportemental selon ce que les gens font. Alors, avant que vous expliquiez ça, je vous ai mis un petit chiffre d'étude, je crois que c'est ActiveCampaign qui fait cette étude-là, qui montre en fait les différences de performance entre une newsletter, un autorépondeur et justement quelque chose qui a été en trigger, donc, avec du comportement. On voit qu'une newsletter, grosso modo, on est aux alentours de 20, 25, parfois 30% de taux d'ouverture, avec un taux de clic à peu près de 3,5% en moyenne. Si on fait l'autorépondeur, donc juste des séquences de messages qui sont quasiment les mêmes pour tout le monde, on arrive à peu près à 35% de taux d'ouverture et 6% de taux de clic. Donc on va dire qu'on double le taux de clic et on augmente quand même de manière drastique les taux d'ouverture. Et quand on fait du trigger marketing, donc selon le comportement des personnes, on va leur envoyer des messages différents. Et bien là, on arrive à des taux d'ouverture qui sont de 45% et 10% de clic. Donc en fait, c'est vraiment hyper intéressant de le faire. Alors, je vous expliquerai pourquoi. C'est simple. La newsletter, généralement, c'est vos actus. Vous ne pensez pas aux clients, mais vous dites, ben voilà, les nouveautés de l'entreprise, on a signé tel nouveau client, on vient de sortir un nouveau produit, on a été présent à tel truc. Ça, c'est la newsletter de manière un peu classique. Donc, c'est la même pour tout le monde, c'est tous les mois au mieux, voire tous les trimestres, et on ne prend pas du tout en compte le cycle de vente. L'autorépondeur, c'est une séquence de messages selon une cible. Et là, au contraire, on va programmer des messages pour accélérer le cycle de vente. C'est-à-dire qu'on a une personne qui rentre, entre guillemets, dans le tunnel. Je vous parlerai tout à l'heure du tunnel. Et tout simplement, on va essayer de le faire acheter plus rapidement et on va essayer de le convaincre. Entre guillemets, on va essayer de jouer le commercial par email en particulier. Et ce qui est simple, c'est qu'on peut faire le moins de segmentation possible. Par exemple, passer d'une liste à l'autre, la personne, elle a... Par exemple, commander tel produit, elle a téléchargé tel bouquin, on l'a mis dans une autre liste, dans une autre séquence. Ça, en fait, c'est l'autorépondeur, c'est vraiment du scénario, et voilà, on déroule en fait un scénario. Le trigger marketing, entre guillemets, le vrai marketing automation, c'est vraiment des messages différents selon ce que fait la personne. Et c'est pour ça que c'est plus compliqué à faire, et qu'au départ, moi, je vous conseillerais plutôt de vous contenter de faire de l'autorépondeur, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus long. Autant faire de l'autorépondeur, ça se fait de manière très rapide. Autant en fait faire du trigger marketing, ça nécessite un peu plus de réfléchir et c'est un peu plus compliqué parce que ben, vous dites s'il a ouvert, s'il n'a pas ouvert, s'il a utilisé l'URL, si il a cliqué sur par exemple sur une enquête de satisfaction, s'il est content, s'il n'est pas content, c'est beaucoup plus complexe. Et je vous montrerai quelques exemples après. Donc l'intérêt, c'est bien sûr qu'on va personnaliser les actions. Moi, un exemple très simple que je fais chez moi, c'est que dans mon site pour mes clients, j'utilise beaucoup ça pour les clients parce que je trouve que ça apporte plus de valeur. Pour les clients, je leur mets à un moment une enquête de satisfaction en leur disant « Bon alors, est-ce que vous êtes content ou est-ce que vous n'êtes pas content de la formation ?» Et bien sûr, s'ils sont contents, ben, je leur propose après un formulaire où ils vont témoigner, et puis après je leur propose des produits, je leur propose un certain nombre de choses. Par contre, s'ils ne sont pas contents, ben, je ne vais pas leur proposer derrière un produit à acheter ou une prestation parce que je sais que ça ne va pas. J'essaie plutôt de leur mettre une enquête différente où les gens vont se dire bon, qu'est-ce qui ne va pas et comment on peut résoudre le problème. Donc c'est un exemple vraiment très simple et ça permet vraiment d'avoir tout de suite des résultats. Donc souvent, en fait, le trigger marketing permet aussi d'intégrer des données d'autres systèmes d'information, par exemple du CRM, de l'ERP et tout ça. Et on va pouvoir lancer des actions en plus de lancer des emails. C'est-à-dire qu'on va se dire bah, tiens, cette personne a fait ça, bah, en fait, je vais peut-être programmer un appel téléphonique ou envoyer un appel à mon service client ou des choses comme ça. Ouais. Ah, en plein écran. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est qu'après, si je le mets en plein écran, vous aurez peut-être... Ah, attendez, je vais peut-être agrandir fait, il y a un truc qui... Voilà, ça clignote, alors bougez pas. Là, ça clignotera quand même un peu. Ça va vous permettre donc d'envoyer le bon message au bon moment à la bonne personne. Alors, on parlait tout à l'heure de solutions marketing automation. Alors, il y en a énormément. Là, en fait, sur la gauche, vous avez, c'est un petit présentation des différents acteurs du marché. Il y en a énormément. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est 3-4 solutions, sachant qu'il y en a plein d'autres, comme SendinBlue suffit largement pour débuter. Donc, vous avez ActiveCampaign, vous avez GetResponse, vous avez Mailchimp, qui sont des bons outils. Moi, j'utilise plutôt GetResponse pour des raisons personnelles, parce que je trouve qu'il est en français, il a un simple opt-in, il y a du web séminaire et tout ça. C'est un peu moins cher. Mais bon, utilisez l'outil que vous voulez. Vous avez plein d'autres qui existent et qui sont très très bien. Alors, combien ça coûte? Pour GetResponse, tout simplement, à peu près, grosso modo, ça coûte 50 € par mois pour 5000 contacts. Donc 5000 contacts, quand on débute, c'est déjà pas mal. Donc ça suffit déjà au départ. C'est pour ça que je trouve que c'est une solution qui n'est pas trop chère, parce que voilà, pour débuter, 50 €, c'est quand même, ça remplace en fait votre solution d'emailing. Si vous avez déjà une solution d'emailing, vous pouvez prendre celle-là. Si vous avez déjà SendinBlue, Mailchimp, etc., continuez à l'utiliser et vous aurez juste à adapter en fait ce que je vous ai dit, parce que ce n'est pas une formation sur un outil aujourd'hui ce matin, c'est une formation sur comment ça marche. Moi, j'utilise donc SendinBlue pour plutôt les choses un peu low cost, parce que l'intérêt de SendinBlue, c'est plutôt à l'envoi d'emails et pas au nombre de personnes qui sont abonnées à votre liste. Et donc, c'est grosso modo 30 € par mois, je crois, pour 60 000 emails que vous pouvez envoyer dans le mois. Donc, vous pouvez faire quand même des choses assez sympas avec SendinBlue. Voilà. Donc, ça, c'est une petite idée. Donc, à partir de 50 €, après, c'est grosso modo 4 € pour 1000 abonnés quand vous avez beaucoup de bons, de bons prospects. Alors, le summum en marketing automation, ce qu'on va pas voir ce matin, c'est l'intégration à vos outils. Parce qu'en fait, tout simplement, vous allez pouvoir intégrer votre solution marketing automation à votre ERP. Mais par contre, ça coûte beaucoup plus cher, votre ERP, votre CRM et tout ça. Donc, grosso modo, il faut compter 5000 € par an pour une solution assez évoluée. Et grosso modo, allez, 10 000 € minimum pour intégrer ça à un CRM et faire des intégrations. Donc ça, c'est vraiment... pour les grosses boîtes, mais c'est un intérêt qui est par exemple faire des suivis de demandes de support, faire tout ce qui est devis en ligne avec des relances automatiques, faire des relances d'impayés, des suites de consommation, des suites de programmes de parrainage et tout ça. Et bon, voilà, je pense pas que c'est ça qui vous intéresse le plus ce matin. Alors, on a parlé tout à l'heure de marketing automation, d'emailing et de trigger marketing. La newsletter, certes, n'est pas ce qui est le plus performant, mais il ne faut pas se dire que je fais que du marketing automation et que des scénarios qui sont prédéfinis. Il faut laisser de la place à ce qu'on appelle des broadcasts ou un email promotionnel qu'on envoie en fait de manière ponctuelle. C'est-à-dire que le trigger marketing, les autorépondeurs, c'est ce qui est prévu. Voilà, vous avez votre séquence qui est prévue. Et de temps en temps, il faut envoyer un emailing pour une promo, un événement et tout ça. Donc en fait, il faut faire les deux. C'est pour ça que SendinBlue, GetResponse et compagnie sont intéressants, parce que vous allez pouvoir faire les deux. Voilà. Alors donc, là c'était un petit peu le qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, combien ça coûte. Est-ce que vous avez déjà des questions là-dessus? C'est à peu près clair. Bon, bah c'est bon. Donc, on va passer maintenant au petit rappel de base, puisqu'en fait, quand j'ai fait le PowerPoint, je me suis dit, bon allez hop, je vais directement sur la partie marketing automation, mais je me dis, merde, tout le monde n'a pas forcément une liste de prospects importante, ou n'a pas vraiment les moyens d'augmenter facilement sa liste. Donc je vous ai mis un petit rappel en quelques minutes comment en fait on va essayer d'avoir une liste ou en tout cas l'améliorer. Donc la première chose en fait c'est sans email, sans liste d'email, on aura du mal à faire des marketing automation. Donc il va falloir quand même en avoir un minimum. Parce que si vous avez que je sais pas 50 emails, 50 clients, autant les envoyer à la mano, c'est beaucoup plus simple. Le marketing automation devient intéressant quand on a plusieurs centaines d'emails. Voilà. Donc comment en fait on va faire? On va essayer en fait d'optimiser en amont la capture de vos prospects. Ça fonctionne vraiment de manière très très simple. Ici vous avez proposé tout simplement soit par email, soit par téléphone, soit sur votre page Facebook, sur tous les canaux que vous pouvez. Vous avez proposé en fait un bonus qui peut être par exemple un livre blanc, un diagnostic, un échantillon, une démo d'un produit, un PowerPoint, une étude, un rapport, un audit, un quiz, un cours en 30 jours. Donc ça en fait c'est la raison pour laquelle en fait les gens vont vous donner leurs coordonnées, parce que leurs coordonnées a de la valeur, c'est quelque chose qui compte pour eux parce qu'ils savent très bien qu'ils vont être mais spammer s'ils donnent leur email. Donc en fait, il faut leur donner de la valeur perçue en échange de leur email. Ensuite, si vous voulez récupérer leurs coordonnées, il faut tout simplement qu'il y ait un appel à l'action qui leur propose une solution. On ne va pas proposer l'encyclopédie olfactive, on ne va pas proposer quelque chose qui ne va pas leur apporter de la valeur, mais par exemple, dans votre cas à vous, ce qui peut être intéressant, c'est un outil, par exemple un rapport sur comment on peut, économiser ou réduire les frais de, ses emballages. Ça peut être par exemple vous, les meilleurs, les 50 exemples de design d'intérieur les plus innovants en 2019, ou ça peut être la sélection des, plus beaux designs dans le secteur immobilier, ou, etc. Donc vous proposez en fait un, bonus qui va leur parler, qui leur apportera de la valeur. Pour les EHPAD, typiquement, ce serait un rapport en disant « Tiens, voici comment vous pouvez améliorer la vie des patients qui sont atteints d'Alzheimer, comment on peut augmenter la mémorisation ou la qualité de vie ou le bien-être, etc. » Mais il faut être assez précis, parce que si vous faites un rapport qui est le bien-être dans un EHPAD, quelque part c'est assez large. Ça peut être assez intéressant de faire un, bouquin comme ça, une petite compile en disant voilà, quelques bonnes pratiques, quelques résultats d'études, et bien sûr dedans vous allez caser votre offre de service dedans. Mais bon, ça peut être intéressant de dire tiens voilà, je vous envoie tous vos contacts, vous me dites que vous avez des contacts maintenant sur LinkedIn, voilà, je vous propose de télécharger mon guide qui permet d'avoir 15 pratiques pour aider les malades atteints d'Alzheimer à conserver une autonomie. Et en fait, les gens vont dire « Ah ouais, mais justement, c'est ma préoccupation, ça m'intéresse. » Tac, je vais mettre mon email et comme ça, vous allez le mettre dans, la fameuse séquence. Vous, pareil, donc voilà, au niveau des plastiques, comment mieux gérer ces emballages ou réduire la casse. Par exemple, comment réduire la casse, parce que je pense que c'est peut-être des préoccupations. Comment réduire la casse dans l'industrie agroalimentaire ou comment garantir une sécurité des aliments, etc. Donc, une petite compile d'infos. Donc, idéalement, ce qui marche le mieux, c'est quand même de pouvoir, entre guillemets, proposer aux personnes de passer d'un état A à un état B avec votre produit. C'est-à-dire que, qu'en fait, il faut leur dire comment avec votre produit, ils vont changer leur vie, entre guillemets. Là, c'était comme, par exemple, comment améliorer la vie des, patients atteints d'Alzheimer, comment aider leur mémorisation, etc. Comment je réduis la casse, ou des choses comme ça. Moi, j'aime bien... Dans le petit bonus, je vous montrerai quelques exemples tout à l'heure, c'est-à-dire, voilà, par exemple, 21 jours pour bloguer comme un pro, 6 semaines pour être plus efficace, ou ça peut être un mois pour aider les patients d'Alzheimer à être plus autonomes. Voilà, un truc comme ça. Donc, ou 5 conseils, 10 astuces pour aider les patients. Donc, on passe vraiment d'un état A à un état B en apportant une solution. Et ensuite, tout simplement, alors c'est pas hyper lisible, mais on fait un design ici, pour optimiser les conversions sur son site, parce qu'en fait, le look de votre bouquin, de votre bonus est super important, parce que les gens, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans, ils ne peuvent pas le feuilleter comme dans une bibliothèque, donc il faut que le visuel soit assez sympa. Et juste après, voilà, c'est la séquence de marketing automation qui démarre, donc voilà, il faut avoir tout ça en tête auparavant. Alors, vous allez me dire, j'ai pas de bonus pour l'instant, comment je vais faire pour créer mon bonus? Et bien en fait, le plus simple, je vais vous donner quelques astuces vraiment facile à mettre en œuvre. La première, par exemple, vous avez fait une enquête client, vous avez vu une enquête client sur Internet, sur la maladie d'Alzheimer, sur le coût des emballages, sur l'importance en fait du design, etc., etc. Et tout simplement, vous allez rajouter quelques témoignages clients de vos clients à vous, et comme ça, en fait, vous avez un livre blanc qui est comme les bonnes pratiques dans l'agroalimentaire, de la gestion des emballages, avec le témoignage de telle entreprise, telle entreprise, telle entreprise. Les gens vont dire « Ah tiens, c'est intéressant ». Et vous récupérez quelques chiffres, et voilà. Si vous avez un article, si vous avez des blogs, vous pouvez mettre en fait un gros article de blog. Grosso modo, un livre blanc, c'est au moins une dizaine de pages. Vous avez déjà une couverture, vous avez déjà une intro, vous avez une conclusion, et vous avez un appel à l'action. Donc déjà, il y a quasiment 4 pages qui sont prises. Donc c'est pas hyper long à faire, il faut faire juste un petit format Word, on va dire 2500 mots, ça devrait suffire. Si vous faites des checklists pour mettre en place par exemple des outils de machines d'emballage ou calculer des ROI des machines, peux très bien proposer ça aussi. Moi, je le fais souvent. On a une checklist pour mettre en place les chatbots. J'ai tout simplement repris la checklist. J'ai mis notre logo, j'ai rajouté quelques étapes et tac, c'était un bonus. Et ce bonus s'est téléchargé 300-400 fois en quelques semaines. Quoi. Voilà. Donc, et donc, à l'usage interne, si vous avez des modèles de cahier des charges, des modèles d'appel d'offres, ça peut être intéressant. Comment faire un appel d'offres pour le CRM? Est-ce que j'avais ça? En fait, je vais proposer ce bonus-là. Si vous avez par exemple des conférences, des replays, vous pouvez très bien en faire un livre blanc. Si vous avez des interviews de clients, vous pouvez faire une étude sectorielle. Les défis, par exemple, de l'emballage dans le secteur agroalimentaire. Et là, vous mettez 4-5 témoignages clients, plus votre point de vue d'expert, de 3 personnes chez vous qui disent bah, « moi, je suis responsable R&D, voilà comment ça se passe. Moi, je suis le directeur de l'entreprise, bah, c'est important de faire ça. » Vous avez votre contenu qui est fait très rapidement. Voilà. Donc, c'est quelques petits exemples vraiment très simples que l'on peut mettre en place. Vous avez déjà une liste. Ça, c'est le cas qui j'espère qui est le plus fréquent. En fait, l'important, c'est de les segmenter. Puisqu'en fait, on dit toujours garbage in, garbage out. Si vous avez une liste pourrie à la base, bah forcément, ça aura des résultats pourris. Donc, en fait, vous avez plusieurs manières de trier vos listes selon la récence. J'ai toujours qu'un prospect est une denrée périssable, c'est-à-dire que généralement, un prospect a une durée de vie qui est très courte. Si, par exemple, dans le domaine de vous n'avez pas beaucoup de concurrence, mais dans le domaine de l'emballage, je pense que s'il y a une personne qui va sur un site internet et qui fait une demande de doc, une demande de rendez-vous, des choses comme ça, c'est quasiment sûr qu'il a été voir 4-5 sites internet auparavant et vos concurrents. Donc, une denrée périssable, ça veut dire que très rapidement, elle aurait vu d'autres personnes et si vous n'êtes pas capable de le convaincre rapidement, c'est foutu. Donc, pour les vieux contacts, vous allez tout simplement passer en mode plutôt réactivation. Je vous donne un exemple. Là, dans la boîte pour laquelle je travaille actuellement, on a fait des salons, on a fait des web séminaires, et à chaque fois, il y a eu des centaines de personnes. On leur a envoyé un email derrière, et puis ensuite, bon, bah, il n'y a pas eu grand-chose. Donc, en fait, moi, je vais mettre en place un système de marketing automation de réactivation. Le but, c'est de les faire revenir vers nous. Ils ont participé à un salon sur une thématique, chatbot, parcours client, expérience client, blablabla. Et là, en fait, on va les remettre dans les rails en disant, bah voilà, qu'est-ce qui se passe en 2019 comme d'habitude, il y aura les nouveautés, les témoignages des clients, une séquence qui va réchauffer un email. Pour le flux de contact, c'est les nouveaux prospects qui arrivent régulièrement. Là, on est plutôt en mode activation, c'est quelqu'un qui vient de télécharger un bouquin, qui vient de faire une demande de doc. Là, on est plutôt pour essayer de décider. Alors, bien sûr, là, ça s'adresse vraiment à un système de volume. Si vous avez 4 prospects ou 10 prospects par mois, appelez-les au téléphone. Le marketing automation, c'est pas ce qui sera le plus adapté. Donc, votre base client, si vous avez une base client déjà, ben, vous pouvez laisser compter sur les produits achetés. Ensuite, selon la prévenance, un salon, une sortie de produit, un bonus, etc. Ben, c'est pas exactement la même chose. Nous, on sait très bien que tout ce qui est salon, c'est vachement plus qualitatif parce que les gens sont déplacés. Par contre, les gens qui ont téléchargé un livre blanc sur un site internet, vous avez 99% des gens qui ne sont pas dans la cible parce qu'ils sont juste en recherche ou c'est des gens qui sont à l'étranger, c'est des étudiants, etc., etc. Donc ce petit travail-là vous servira après à mettre en place d'autres séquences. Alors, n'oubliez pas le nettoyage, je vous le dis toujours, hein, ça ne sert à rien de prendre des vieux emails s'ils sont totalement has-been. Donc vérifiez aussi au niveau RGPD si vous avez bien le consentement de la personne, si ça ne date pas trop. Des emails d'il y a 10 ans, ce n'est pas forcément ce qui est le plus adapté. Bon, on peut quand même en trouver quelques-uns, mais 10 ans, c'est sans communication de votre part, ça fait un peu beaucoup. Voilà. Ensuite, on va supprimer les emails pourris, parce qu'en fait, souvent, vous avez des emails temporaires, des emails réponses, et en fait, vous avez plein d'outils qui existent, soit payants, donc email vérifié liste, des choses comme ça, et vous avez un petit outil gratuit là, qui s'appelle Léopatuche, c'est assez sympa. C'est un outil en fait qui va prendre, vous copier-coller votre adresse, tout votre base email, où vous envoyez votre fichier, et en fait, il va virer tous les adresses email qui sont has-been, qui font erreur, etc., etc. Moi, j'utilise systématiquement cet outil-là quand j'ai une vieille liste pourrie, parce qu'en fait, si vous l'importez dans un outil de marketing automation, que ce soit SendinBlue, que ce soit GetResponse, etc., et bien en fait, il peut vous refuser le fichier. Moi, ça m'est arrivé sur GetResponse, j'ai transféré des emails de Aweber, qui était ma solution historique de marketing automation, vers GetResponse. Et c'est des clients qui étaient dans ma base, avec qui j'envoyais des messages régulièrement. Donc je me disais, bon, pas de souci, hop, allez, je transfère. Et j'ai eu un refus. Il m'a refusé ma base, il m'a dit, non, votre base n'est pas qualifiée, ça va pas. J'ai dit, attends, c'est bizarre. Et donc j'ai dû passer par ce système-là pour cleaner la base, pour pouvoir l'intégrer dedans. Donc en fait, c'est un bon moyen, si vous avez une newsletter un petit peu ancienne, que vous auriez depuis un certain temps, vous avez, je ne sais pas, 5 000, 10 000, 20 000 contacts, et bien, boum, ça vous servira à la nettoyer. Alors, vous n'avez pas encore de liste, quelques petites astuces vraiment très rapides. Donc, vérifiez dans votre entre guillemets, base de données existante, dans votre smartphone. Mine de rien, dans votre smartphone, il y a pas mal de numéros de téléphone et d'adresses email. Dans votre Outlook, dans votre Gmail, etc. Si vous avez un CRM, un ERP, hop, faites un extract et vous aurez comme ça des bases qui sont, en tout cas, le début. Ajoutez des formulaires sur les pages de publicité de votre site. Éventuellement, si vous n'avez pas encore de liste, achetez-les. Ce qui est assez intéressant, c'est d'utiliser par exemple Facebook Ads pour cibler des gens. Vous avez votre bonus, on l'a vu tout à l'heure, et ben vous allez payer de la pub sur Facebook pour cibler par exemple les responsables, les gens qui sont amateurs d'art. Ça c'est un bon exemple parce qu'en industrie, on peut cibler les directeurs des achats, mais ça va être un peu compliqué. Pour les directeurs des pads, c'est LinkedIn qui sera vraiment plus adapté, mais pour vous, vous dire tiens, je vais cibler toutes les personnes, par exemple, qui sont fans d'une page, ou tous les gens qui ont comme centre d'intérêt le tel type d'art, ou les architectes d'intérieur, etc., etc. Parce qu'il y a plein de groupes sur les architectes d'intérieur, il y a des pages Facebook sur les architectes d'intérieur. Donc là, en mettant quelques dizaines d'euros, allez, 100, 200 euros, vous allez pouvoir créer en fait une première liste. Alors, je ne vous dis pas que vous allez avoir 10 000 contacts, ou 5000 contacts, ou 1000 contacts, vous aurez déjà une première liste, en plus qui sera fraîche. Donc là, c'est intéressant d'utiliser une campagne Facebook Ads ciblée. Donc après, si vous avez bien sûr les réseaux sociaux, vous poussez votre bonus pour avoir en fait votre influence et votre liste. Et après, si vous avez un peu de budget, essayez après de voir avec des gens qui ont déjà un carrefour d'audience, hein, qui ont par exemple un blog, qui ont un email. Petite question. Ouais. Quand tu as 2000 contacts pour les entreprises, il y a un moyen de... Alors en fait... Ouais, alors il y a... C'est ce qu'on voit en fait, justement j'ai la même question tout à l'heure. Alors il y a plusieurs possibilités. Alors, lors de la dernière atelier, moi je vous avais montré en fait la possibilité avec LinkedIn Helper d'envoyer un direct message à l'ensemble en fait de vos contacts de niveau 1. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez... Moi c'est ce que j'ai fait. Dans mon petit compte ici LinkedIn, il n'y a pas longtemps, alors je vais voir si c'est, j'en ai plusieurs, donc c'est plutôt sur l'autre, dans mon compte LinkedIn ici, celui-là, en fait j'ai réactivé entre guillemets ma base, donc là je vais revenir un petit peu comme ça d'il y a un certain temps, alors il faut que ça charge un peu. Alors, est-ce qu'il y a... Voilà, ici. Je leur ai envoyé un petit message pour dire, tiens, voilà, je participe à... J'organise un web séminaire, inscrivez-vous et tout ça. Et si vous n'êtes pas disponible, donnez-moi votre email et je vous enverrai les slides. Voilà. Et donc, en fait, c'est un petit moyen très simple qui permet d'aller récupérer les emails des personnes de manière tout à fait légale, 100% clean. Voilà, ça, c'est ce qu'il faut faire. Non, parce qu'en fait, ils s'inscrivent sur un formulaire et tac. Après aussi, les gens peuvent me dire, c'est pour ça que je l'ai fait, c'est qu'en fait, il y a des gens qui me disaient, je suis pas disponible. Et moi, ce que je leur disais, alors je sais pas si je l'ai mis là, je leur disais, voilà, elle s'est inscrite. Ils disaient, non, je suis pas disponible. Je leur disais, c'est pas grave, donnez-moi votre email et puis je vais vous envoyer le truc. Et là, par contre, c'était du one-to-one, c'était de l'email. Alors, vous voyez, ici, là, il m'a donné son adresse email. Donc en fait, c'est des moyens. Donc là, la manière la plus clean et la plus propre. Ensuite, une manière un peu moins clean, c'est en fait d'aller télécharger vos données ici, ou télécharger en fait les données de votre réseau. Et là en fait, vous téléchargez ici vos archives et vous avez un fichier Excel avec l'ensemble de vos contacts. Et si vous avez je sais pas moi, là ce compte-là c'est un peu particulier, c'est un compte où j'ai 30 000 contacts, et bien en fait vous récupérez, on va dire, allez, 25 000 emails. Voilà. Sur la version gratuite. Alors, petite méfiance quand même. Ouais. Alors, peut-être que ça va répondre à votre question. Je vais répondre. Si vous téléchargez cette archive-là, attention, ce sont souvent les emails personnels qui sont mis dedans. Donc en fait, allez, quand vous téléchargez les archives, c'est l'email en fait, que les gens utilisent pour leur login mot de passe du compte LinkedIn et ils n'utilisent généralement pas leur email pro. Donc voilà, donc faites attention. Généralement, vous avez 1 sur 1000, une personne sur 1000 qui, quand vous envoyez un email là-dessus, qui va vous dire comment vous avez eu mon adresse email. Et donc à ce moment-là, vous dites ben oui, mais on est en contact sur LinkedIn. Voilà. Et après, vous supprimez la personne, vous dites désolé, etc. Donc voilà. Donc en fait, c'est à la limite parce qu'en fait, quelque part, les gens ont quand même accepté d'être en contact avec vous sur LinkedIn. Donc si vous n'êtes pas un inconnu, vous ne spammez pas. Mais bon, c'est quand même une adresse email perso, donc c'est à la limite. Alors moi je dis ça à la limite. Moi, je le fais généralement pour souhaiter la bonne année, pour être en bonne souhaiter en fait les gens qui partent en vacances ou des choses comme ça. Pas d'email hyper pushy, pas d'hyper promo. Plutôt bon, je vous souhaite des bons vœux, de bonne année. Tiens, d'ailleurs, je viens de sortir un livre blanc, une étude là-dessus, si jamais ça vous intéresse. Puis excusez-moi si je vous ai envoyé cet email sur votre adresse personnelle, si c'est une adresse personnelle, parce que on est en contact sur LinkedIn, etc. Donc, voilà. Donc ça, c'est un autre moyen simple. Est-ce que ça répond à votre question ou pas? Plus ou moins. En fait, j'ai deux questions. Pourquoi avez-vous plusieurs profils LinkedIn? Et la deuxième question, c'est effectivement là, vous avez une personne qui a envoyé un mail dans LinkedIn, mais c'est pas pour ça qu'il a l'obligation de récupérer son mail et de lui envoyer des mailings parce que c'est. Est-ce que vous utilisez-vous les mails que les gens vous envoient pour les mettre dans votre base et après les shooter sur le temps? Ou est-ce que. Alors, la première question, c'est pourquoi j'ai plusieurs profils LinkedIn. C'est simple, parce qu'en fait, à LinkedIn, vous êtes limité à 30 000 contacts par profil. Donc forcément, dès que vous arrivez à 30 000, paf, il faut avoir un second profil. C'est la première chose. C'est que des profils pro, c'est que des profils à moi. Voilà. Après, il y a des personnes qui ont des profils fake, des faux profils, qui leur servent en fait à faire de l'auto-promo, des choses comme ça, mais c'est autre chose. Moi, je ne le fais pas personnellement. C'est d'autres techniques qui existent. Ensuite, pour répondre à votre question, généralement, moi, ce que je préfère, c'est les envoyer sur une page de capture où, en fait, ils vont télécharger le livre blanc, ils vont avoir la présentation du livre blanc, et donc, en fait, ils vont avoir les petites cases qui vont bien, etc., etc., et à ce moment-là, vous êtes 100% clean. Exactement. Et après, en fait, pour les personnes qui m'envoient leur email personnel, deux possibilités, soit, en fait, vous leur envoyez un message de manière classique, en disant, bah, vous m'avez donné votre email, c'est en plus un email pro. Donc bon, moi à chaque fois en fait je le dis clairement, c'est donnez-moi votre email pro. Je leur dis pas donnez-moi votre email perso parce que l'email perso je peux l'avoir. C'est pas un problème parce que l'email perso dans, allez je vais prendre sur celui-là, je vais prendre n'importe lequel. Vous avez généralement ses coordonnées, on va voir si là l'email, voilà il y a son email qui est là. Donc l'email perso, je pourrais très bien le shooter directement à la presse, mais je préfère être clean en disant donnez-moi votre email pro. Voilà. Et là tout de suite la relation est un peu plus non, parce qu'en fait la personne vous l'a comme donné son email. Si elle vous a envoyé l'email, c'est que. Alors, idéalement oui, mais comme je disais là, dans certains cas non, parce qu'en fait la personne l'envoie, elle me l'envoie par mail, elle veut pas passer par le formulaire. Mais bon, on est en fait à la limite. C'est à la limite. C'est défendable comme de se dire que la personne est en contact, elle vous a envoyé son email, donc quelque part elle s'y attend. Voilà. Oh, bien entendu. Voilà, donc je vous ai donné quelques idées, quelques pistes, même si vous n'avez pas de liste, de pouvoir un petit peu augmenter votre nombre de contacts. Le but n'étant pas de spammer, hein, bien entendu, c'est que ce soit, quand vous apportez de la valeur, les gens vont pas se sentir agressés. Si vous envoyez une promo en disant voilà, achetez mon produit, là les gens vont se sentir un petit peu agressés, arnaqués. Hein. Le but c'est pas de faire n'importe quoi. Par exemple, pour les gens qui vont donner leur email perso, je les ai mis dans une campagne spécifique dans Salesforce, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas noyés dans la masse, ils sont vraiment identifiés dans cette campagne-là, et ces gens-là, après, je leur envoyais un email en one-to-one là-dessus. C'est vraiment, c'est pas du spamming vraiment de base, quoi. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire là-dessus. Comment on va pouvoir créer sa liste. Donc voilà, donc, on a déjà discuté un petit peu tout à l'heure. C'est comment créer le bonus pour votre cible. C'est ça en fait qui est votre premier travail. Et donc, j'en ai déjà discuté il y a 2 secondes. Voilà. Donc le plan d'action est simple. Hein. Votre stock de contacts, c'est vraiment ce qui vous rapportera le plus à court terme. Donc, identifiez où vous pouvez récupérer un stock, nettoyez vos emails avec les outils existants, identifiez les listes que vous pouvez encore utiliser qui sont conformes à la RGPD, segmentez selon la nature, le type de besoin, le type de produit, etc. Pour le flux de contacts, les prospects qui arrivent tout le temps, hein, c'est vraiment construire le futur. identifier comment vous allez pouvoir créer des bonus ciblés qui vont les inciter à vous laisser leurs coordonnées sur les réseaux sociaux, sur votre site internet, etc. Et ensuite créer un bonus. C'est vraiment le truc de base. Donc là, on était vraiment dans la construction de la liste. Maintenant, on va passer en fait sur les objectifs de marketing automation. Là, on n'était pas encore dans le marketing automation, on était juste avant. Et justement, on va dire, non, qu'est-ce qu'on va faire? Je le disais, il y a 8 étapes. Et ce qui est le plus important, c'est ça où on va passer entre guillemets le plus de temps, c'est définir les objectifs et les personas, parce que c'est de là en fait que va découler le succès de vos campagnes. Donc pour le marketing automation, il y a plein d'objectifs qu'on peut avoir. À la fois en prospection sur le flux, en prospection sur le stock. Le flux, ça peut être réchauffer des leads, ça peut être scorer des prospects, déclencher des demandes de commandes. Par exemple, si vous vendez des produits pas chers qui valent 10, 20, 30, 40, 100 euros, et ben en fait vous pouvez les vendre par email. Moi, c'est ce que je fais. Tout ce qui est les mini formations vidéo que je fais, que je vends, qui coûtent 7, 25, 30, 100 euros, je ne vais pas m'amuser à appeler les gens au téléphone, ça se vend par email, c'est de l'achat d'impulsion. Ça peut être utilisé pour du panier abandonné. Par contre, quand on vend des produits beaucoup plus chers, le but, c'est pas de vendre directement, mais c'est d'obtenir un rendez-vous. Ça peut être par exemple aussi de faire remplir un formulaire pour avoir les besoins. Sur le stock, on va plutôt essayer de réactiver, présenter une nouvelle offre, faire des enquêtes de non-achat, etc. Sur le stock de clients fidélisation, on va plutôt accompagner les clients. Quand on a un volume important, on va les accompagner, on va essayer de faire du cross-sell, on va essayer d'avoir des avis, on va essayer de gérer l'insatisfaction, on va faire de la réactivation, etc. etc. Et on va pouvoir également utiliser le marketing automation pour faire, par exemple, des emails automatiques pour des suivis de période d'essai, si on a des logiciels en ligne, si on a des abonnements pour faire automatiquement de la gestion de suivi, de garantie, de réabonnement automatique, etc. etc. Voilà. On a vraiment des objectifs différents. Je vous laisserai lire après tranquillement les slides pour savoir ce que vous voulez faire. Donc, définir les objectifs selon votre séquence. Donc, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut vraiment partir des personnes de votre besoin, enfin de leurs besoins. Quels sont leurs besoins, leurs peurs, leurs profils, qu'est-ce qu'ils recherchent? On verra juste après, je vous ferai un petit récap rapide des personas. Et ensuite, qu'est-ce que vous voulez obtenir? C'est vraiment important, votre cycle de marketing automation a un objectif. Ça va être d'obtenir un rendez-vous, d'obtenir un décrocher un appel, etc., etc. Donc partez vraiment sur cet esprit-là pour définir ce que vous voulez faire. Ensuite, vous allez faire un scénario pour un persona. Vraiment pas trop d'embranchement, pas de complications, parce que les gens ne cliquent pas, il n'y a pas beaucoup d'ouverture, si vous n'avez pas beaucoup de volume, ça ne sert à rien de faire un truc hyper compliqué. Il faut vraiment être très simple et commencer plutôt par une petite séquence vraiment qui va être vraiment simple et s'adapter à tous. Donc pensez au persona. Le but en fait du persona, c'est de vous faire réfléchir. Le but, il est vraiment là. Il n'a qu'un seul objectif, c'est vous mettre à la place de client, d'être empathique. C'est uniquement pour ça qu'il est fait. Donc comment ça fonctionne? Le persona, en fait, vous allez définir ses objectifs. Pourquoi, en fait, qu'est-ce qu'il veut? Architecte d'intérieur, qu'est-ce qu'il veut, en fait? Il veut quoi? Il veut que son design soit vraiment original, il veut que ça soit totalement différent des autres, il veut, je sais pas, qu'est-ce qu'il veut? Quelqu'un qui est responsable des achats ou responsable de la logistique ou directeur, qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il veut faire appel à vous? Parce que ses produits, il veut un packaging innovant, il veut que l'emballage soit plus rapide, est-ce qu'il veut que ça soit moins de casse? Qu'est-ce qu'il veut? Quels sont ses objectifs à lui? Pas à vous, mais à lui. Pour les directeurs d'EHPAD, quels sont les objectifs? C'est quoi? C'est que les personnes se sentent bien et que les parents des personnes qui sont en EHPAD, quand ils viennent dans l'EHPAD, voient que finalement on s'intéresse à leurs parents, qu'ils font des efforts et qu'il y a des exercices qui sont faits. Mais peut-être qu'il doit dire comment ça peut être voyant. Parce que faire des exercices et que ce n'est pas voyant par rapport à la famille, pour lui, ça n'a pas un impact. Il aura beau faire des efforts, mais si ça ne se voit pas, ça ne sert à rien. Donc, quels sont ses besoins? Comme je disais, est-ce que c'est gérer la casse, etc. etc. Quelles sont ses peurs? Ça, c'est une force qu'on va beaucoup utiliser parce que la peur, c'est quelque chose qui va faire que les gens vont agir. L'achat est un acte émotionnel. Donc les peurs, c'est quoi? C'est que qu'il y ait un problème de sécurité alimentaire ou des choses comme ça. Donc vous allez dire, un de vos messages sera obligatoirement sur la peur. La peur, c'est comment éviter, par exemple, d'avoir comme Lactalia, avec le système des, je sais plus quoi, des bactéries ou je ne sais quoi, c'est peut-être un trigger important. C'est là où on va avoir un message. Dans le domaine de l'art, peut-être qu'on va se dire, évitez de vous faire copier. Comment avoir un design que personne n'a jamais vu, ou des choses comme ça. Et là, les gens vont dire, ouais, mais c'est exactement ce que je veux faire. Voilà, leur rêve, justement, bah oui, on est un peu là-dessus. Comment je vais pouvoir me distinguer des autres et comment apparaître dans un magazine. Par exemple, je sais pas, il y a un magazine d'archi ou je sais pas, Elle ou Vogue ou je ne sais quoi. Vous rêvez, vous avez envie d'être à la une de Vogue ou dans les pages mode de Vogue. Là, vous avez un message comme ça. L'architecte va dire, oh oui, mais c'est exactement ça. Donc, bah, en fait, c'est un message que vous devez faire. Donc, c'est peur, c'est rêve. Les verbatim. Les verbatim, en fait, c'est les commentaires. Qu'est-ce qu'ils disent? Et en fait, souvent, ça sert à raconter une histoire dans les mails. Actuellement, les emails qui sont les plus intéressants, je trouve, c'est les mails où les gens racontent leur vie, ou racontent l'histoire d'un client. Dire, voilà, il n'y a pas longtemps, j'ai croisé la société bidule, ils devaient ça, 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 ça. Et les gens adorent ça. Une histoire plutôt qu'un argumentaire ou des fonctions. Donc, pourquoi les gens doivent commander? C'est ça, en fait, qui est important. Pourquoi? Qu'est-ce que vous allez faire que les gens vont commander? Quels sont les leviers? Quand vous dites aux commerciaux, pourquoi ils changent? Parce qu'ils ont une nouvelle machine-outil qui arrive dans l'entreprise, parce qu'ils ont une nouvelle gamme de produits. Et là c'est un truc que vous devez mettre dans votre cycle de marketing automation. Vous lancez un produit, voici comment vous allez gagner de l'argent et du temps sur l'emballage. C'est un truc qui est important à mettre. L'action, parce que vous allez vous trouver sur des gens qui sont dans ce moment-là. Quel est le cycle d'achat? 1 mois, 3 mois, 6 mois. Et ça va déterminer le cycle de marketing automation. Si les gens se décident en 1 mois, ben votre cycle va être très court. Si vous êtes dans le B2B, je pense que le cycle d'achat, il est 6 mois, 9 mois, peut-être 1 an. Donc, en fait, il va falloir programmer des messages. Donc, bien sûr, au début, beaucoup de messages, j'en parlerai juste après, mais toujours continuer la relation. Voilà. Et toujours sur sa thématique. Et vérifier qu'il y a toujours un intérêt avec les clics, etc., etc. Ensuite, sur vous, ben là, on a parlé sur lui, mais sur vous, quelle est votre unique selling proposition? En quoi vous êtes différent? Est-ce que vous avez une machine? Vous avez une technique? Est-ce que vous avez un brevet? Est-ce que vous avez quelque chose qui fait que vous êtes différent? Pourquoi ils commandent chez vous plus qu'à d'autres? Comment les décider à vous contacter? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir une promo? Est-ce qu'il y a un salon? Est-ce qu'il y a un petit déjeuner? Est-ce qu'il y a un outil de calcul des ROI, etc., etc. Comment vous pouvez montrer votre personnalité? Comment vous êtes différent des autres? Là, c'est typiquement, là, pour vous, dans le domaine de l'art, c'est vous présenter votre parcours, donner confiance, qu'il y ait une connexion. Ah oui, mais la personne est un peu comme moi, elle a aussi travaillé dans le domaine de l'art, c'est une artiste, elle a été, par exemple, dans un cabinet d'architecture, vous avez travaillé pendant X années, vous connaissez les problématiques. Là, les gens vont avoir une connexion émotionnelle. Et le ton que vous voulez faire passer, est-ce que c'est quelque chose plutôt pro ou perso? Vous, par exemple, vous avez tout à fait intérêt à parler de vous. Et pas faire nous, la société corporate, machin truc. Non, vous avez intérêt à parler de vous, à parler du concret, j'aide les gens, j'ai à cœur, j'ai de la passion, etc. Et là, tout de suite, vous allez être beaucoup plus efficace. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez fini vos personas. Ben, généralement, vous avez des contenus différents que vous allez faire sur les différents personas. Je vous rappelle qu'au départ, vous allez faire un seul persona, un seul client type. Vous embêtez pas à en faire plusieurs. Mais en fait, selon le cycle d'achat, ben, il y aura des contenus différents. Au début, ben, la personne, elle va plutôt être en imagination, c'est des cas clients, un livre blanc, des études. Et vers la fin, elle va être plutôt sur « je vous demande un rendez-vous, est-ce que c'est rentable, etc., etc. » Donc, votre cycle va commencer comme ça. Au début, on est plutôt dans un truc, on explique pourquoi, on éduque, et à la fin, on est plutôt dans le closing. Donc, votre plan d'action, c'est simple. Définissez votre persona principal, 80% de vos clients, quels sont leurs besoins, leurs peurs, etc., etc. Et vous prenez un papier-crayon. C'est important parce que si vous commencez à rédiger sur un ordinateur ou utiliser le logiciel, vous allez perdre votre créativité. Donc, moi, en fait, j'aime beaucoup le faire sous Word parce que je peux copier-coller, changer les choses, mais vous pouvez très bien le faire avec un papier-crayon en disant, bah, tiens, mon client, il fait ci, quels sont les messages que je pourrais lui mettre et quels sont les éléments clés qui vont décider à commander chez moi. Voilà. Vous voyez, on a passé déjà pas mal de temps, quasiment 45 minutes, à anticiper la création de la chaîne de marketing automation parce que c'est ça qui est le plus important. Maintenant, on va pouvoir vraiment parler des scénarios. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de tunnels de vente. En anglais, c'est ce qu'on appelle les sales funnels. C'est quelque chose qui est très à la mode parce qu'en fait, il n'y a encore pas très longtemps, les gens en fait vendaient un produit puis c'était tout. Maintenant, en fait, il y a vraiment eu une évolution du marketing, avec en particulier le marketing automation, où on va vraiment mettre un tunnel de vente et on va essayer de faire en sorte que le client qui arrive chez vous, on va le prendre par la main et on va lui dire voilà ce qu'il faut faire. Et c'est ça en fait le sales funnel. Alors souvent les gens disent un tunnel de vente, bah, c'est un tunnel, hein, le client il arrive et on lui fait différentes offres, upsell, cross-sell, des emails, etc. Puis les clients. Sauf que dans la réalité, c'est plutôt un entonnoir. D'ailleurs, funnel, normalement en anglais ça se traduit plus comme entonnoir. Donc il y a plein de gens qui arrivent au départ, mais tout le monde ne va pas commander. Donc ça se réduit de plus en plus du prospect, tous les prospects, à quelqu'un qui a vraiment un besoin important. Donc il faut penser comme ça. Et en marketing automation, on ne va même pas penser en tunnel, ni en entonnoir, mais on va parler plutôt en, on va dire en scénario. C'est-à-dire qu'ici, vous aurez un premier scénario, où vous aurez ici l'email du téléchargement du livre blanc, ou un audit, ou un web séminaire, ou la participation à un salon, enfin bref, l'entrée dans le tunnel de vente. Et ensuite, on aura différents scénarios, différentes hypothèses. La personne, elle ouvre pas. Non-ouvreur, eh ben, on lui renvoie l'email, peut-être à un expéditeur différent, peut-être avec un objet différent. Et ensuite, on envoie d'autres messages. Les ouvreurs, ben, on va pouvoir lui envoyer un premier email, par exemple, un ou deux jours plus tard, en disant, ben voilà, tiens, je vais envoyer un conseil 1 ou un conseil 2. Je vois ce qui ouvre le plus. Puis après, par exemple, je lui envoie un témoignage. Ensuite, je lui propose une demande de rendez-vous. Donc, en fait, le marketing automation, ça va être vraiment ça. Ça va être ces séquences selon le comportement du client. Là, on se retrouve vraiment dans le marketing automation complet. Je vous montrerai que dans le système des autorépondeurs, on a beaucoup moins de complexité parce qu'on ne va pas gérer en fait un arbre de décision comme ça avec les ouvreurs, non-ouvreurs. Et au début, c'est beaucoup plus simple à gérer. Voilà. Je vous montre un exemple. Pourquoi je vous dis que c'est beaucoup plus simple à gérer? Parce que dans le logiciel que je vous montrerai tout à l'heure, un cycle de marketing automation, c'est ça. C'est tout ce truc-là. Je vous montrerai un exemple. La personne a souscrit à la liste. Ensuite, on attend un jour. Ensuite, on lui envoie le message jour 1, préparez ceci, cela. Ensuite, est-ce qu'il a cliqué sur le lien? À ce moment-là, je lui renvoie le message. S'il n'a pas cliqué, j'attends 2 jours. Ensuite, je lui renvoie un autre message. J'attends 2 jours. Ensuite, la personne de toute façon qui a toujours pas ouvert, même s'il a ouvert, s'il n'a pas ouvert, ben, j'attends 1 jour et je lui renvoie quand même le message numéro 3. Bref, en fait, on est vraiment dans un cycle comme ça où on va vraiment travailler le client et le prendre par la main. Donc, on va guider le client vers la vente. On va aussi prendre en compte comment il évolue, s'il clique pas, s'il ouvre, s'il n'ouvre pas. On va essayer d'influencer sa décision en lui donnant des informations qui, nous, on trouve qui sont importantes. On va l'aider à faire le bon choix et puis on va le rassurer pour que finalement, il passe commande. Donc, mettre en place ces systèmes pour convaincre, il faut toujours penser en petites étapes. Dans le marketing automation, c'est rare qu'on arrive à convaincre le client de commander tout de suite, même si c'est possible. Donc, en fait, on va penser en petites étapes, comme dans un email. Généralement, vous avez un expéditeur, vous avez un objet, un design d'email et ensuite une offre. Donc, c'est toujours l'expéditeur et l'objet qui sont les plus importants. Au départ, vous ne devez pas vous dire, allez, mon email, il va être, je l'envoie, mais plutôt vous dire, ok, quel est le meilleur expéditeur pour envoyer cet email-là? Par exemple, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le DG de l'entreprise? Est-ce que c'est service technique? Est-ce que c'est service juridique? Par exemple, moi, une fois, en fait, dans une boîte, on a envoyé un email au nom du service juridique, parce qu'il y avait une évolution légale, et donc on s'était dit, mais non, on ne va pas l'envoyer au niveau service marketing, on va dire que c'est le service juridique qui l'envoie, parce que les gens vont dire, service juridique, voilà. Faut que j'ouvre ce mail là, c'est pas un truc comme d'habitude. Et donc là, ils vont l'ouvrir et ils l'ont ouvert et ça nous a permis de faire pas mal de belles ventes. Donc on pense en petites étapes. Ensuite, on va dire à quoi sert cet email dans le cycle des ventes. Est-ce que ça va vraiment faire avancer le cycle de décision? Alors pourquoi c'est important de se dire ça? C'est qu'en fait, malheureusement, si vous envoyez trop de messages qui n'ont pas d'importance, qui n'ont pas de valeur, ben, les gens à la fin vont soit plus lire vos messages, soit se désabonner, soit dire c'est du spam. Donc, en fait, il faut vraiment se dire comment je vais apporter de la valeur là-dessus. Donc, qui va l'envoyer? Quel est le message dans chaque email? Un email est égal à un message. Il ne faut pas dire, alors, voici l'outil de calcul de ROI, et puis j'organise un web séminaire, et puis vous pouvez me contacter pour un audit, et puis cliquez là si vous voulez voir le dernier article de blog. Donc, non, il y a un message qui est vraiment travaillé sur un objectif à avoir. Ensuite, on va pouvoir travailler la forme du message. Est-ce qu'on envoie un message en format texte? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'HTML, il n'y a pas d'image, il n'y a pas tout ça. Moi, je le fais beaucoup pour des questions de délivrabilité. Ou alors, on envoie un message en HTML avec une photo, avec, par exemple, un logo, etc. etc. Alors ensuite, sur la forme, est-ce qu'on envoie uniquement juste un email? C'est-à-dire que marketing automation, ça peut être juste un email. Hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir une page qui renvoie. Le email peut être tout simplement « appelez-moi, voici mon numéro de portable etc. ». Ou alors, c'est un article de blog, parce qu'en fait, tout simplement, le message, il fait plus de 250 mots ou 200 mots. C'est trop long pour mettre dans un email. Et vous dites, bah voilà un cas d'école, un témoignage client, voici une vidéo d'un client, et là forcément, vous allez devoir la renvoyer vers une page. Ensuite, quel est le petit plus qui va vraiment le faire, qui va passer à l'action? Et est-ce que c'est le bon moment? Ça, c'est quelque chose qui est important. Souvent en marketing automation, les gens hésitent à proposer rapidement une promo ou un prix ou un rendez-vous. Or, en fait, comme je le disais, le lead est un, le prospect, hein, est une denrée périssable, donc il faut vraiment rapidement aller proposer la vente, proposer un rendez-vous, proposer un audit ou quelque chose comme ça. C'est vraiment important parce que plus vous attendrez, moins vous avez de chances de pouvoir convertir. Donc ça, c'était la petite base. Ensuite, comment on va décider le prospect à agir? Donc on va essayer de travailler sur la réduction des freins à l'achat, la simplification de la commande, de la prise de décision, mettre en avant les bénéfices, mettre de l'urgence. Donc réduire les freins à l'achat, c'est par exemple prêt réduit, sans risque, satisfait remboursé, mode de paiement, témoignage client, preuve sociale. Par exemple, on a le label certifié, je ne sais pas, ISO 27001, on a un label EcoCert, on a un label bio, on a un truc comme ça, hein, où vous avez par exemple vous avez fait une conférence à je ne sais plus quel truc, vous êtes tel EHPAD, vous avez déjà fait confiance, etc., etc. Vous avez un professeur que vous avez interviewé qui est spécialiste d'Alzheimer, bref, des trucs comme ça, des cautions. Répondre à un problème urgent, hein, mettre en avant les problèmes non résolus, les bénéfices, etc., etc. Donc, date limite, c'est des promos. Par exemple, tiens, j'ai un créneau dans mon agenda cette semaine, et à la semaine prochaine, après, je suis plus disponible. Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous? Parce qu'après, je suis chez un client pendant un certain temps. Alors, ça peut être un faux truc. Moi, c'est un système que j'utilise dans mon marketing automation. J'ai un email comme ça qui s'appelle... est-ce qu'on peut caler un rendez-vous cette semaine ou un truc comme ça, je sais plus ce que j'ai vu comme intitulé. Et dedans, je dis, voilà, cette semaine, j'ai eu une annulation d'un rendez-vous client, j'ai un créneau horaire, est-ce que ça vous intéresse pour qu'on fasse un point rapide sur votre projet? Appelez-moi ou envoyez-moi un email et je vais voir si on peut en discuter ensemble. C'est un email qui est programmé tout le temps, qui est envoyé tout le temps à ma liste, même que j'ai rendez-vous, j'ai pas de rendez-vous. Mais si la personne m'appelle, elle me dit « Ah, j'ai vu votre email, c'était pour le rendez-vous. » Je dis « Ah oui, là, malheureusement, je suis pris aujourd'hui ou je suis pris cette semaine. Mais par contre, j'ai de la dispo la semaine prochaine, ça vous va ?» Et la personne, elle ne se rend pas compte que finalement, c'était un message automatique. Voilà. Donc, toujours commencer, comme je disais, par un papier Word. Donc, vous reprenez vos personas, les objectifs, les messages à créer et vous modélisez votre séquence de manière très simple. Et ensuite, une fois que vous avez créé cette première modélisation, relisez vos objectifs. Est-ce que la séquence... elle permet vraiment d'aller convertir la personne. Est-ce que ça fonctionne bien au global, c'est-à-dire au niveau du cycle total, est-ce qu'il y a une cohérence? Et au niveau de chacun des messages, est-ce que vous êtes bon? Voilà. Une fois que vous avez fait ça, et votre séquence, normalement, elle est faite. Je vais passer assez rapidement, donc j'en ai déjà parlé, les pages web, etc., etc., hein, ou un article, là, j'en ai déjà parlé. Les contenus différents, j'en ai déjà parlé tout à l'heure aussi, comme là on est un peu en retard, je ne vais pas y passer beaucoup de temps. Mais comme je le disais, au départ ça peut être des petits articles de blog, des guides, des infographies, etc. Ensuite, on va plutôt pousser tout ce qui est par exemple des modèles, des checklists, des choses comme ça. Puis à la fin, on va plutôt mettre par exemple des fiches produits, des caractéristiques techniques, des outils comme des cas d'école. Là, c'est super intéressant. Comment l'entreprise bidule a économisé 5% sur ses charges d'emballage ou comment il a réduit sa casse de X%. Ça, c'est les gens qui disent « Ah oui, mais c'est exactement ça, je suis dans ce fameux cycle de décision. » Donc, la fréquence. Je vous ai parlé qu'il va falloir tout simplement essayer de mettre une pression importante au départ. Donc, la base, en fait, en théorie, c'est la suite de Fibonacci. C'est un mathématicien italien qui date d'il y a assez longtemps. Et en fait, il a mis en place cette modélisation en forme de coquillage. En fait, c'est se dire au départ, à la base du coquillage, en fait, il y a des messages qu'on envoie de manière très, très, très régulière. Et donc, plus ça va aller, plus en fait, la courbe va être lointaine. C'est-à-dire que plus ça va aller, plus les messages vont être espacés. C'est-à-dire qu'au départ, on va mettre une pression importante pour inciter la personne à passer à l'action. Et après, on va poursuivre dans le temps et on va espacer les messages. Un exemple, ici, avec justement une alternance de messages promo et informatifs. Le jour J, on a le message de bienvenue, où tout simplement on dit merci d'avoir téléchargé le bouquin, blablabla, vous avez trouvé ça, ça, ça. J+1, donc tout de suite derrière, le lendemain, hop, on envoie une success story avec le témoignage d'un client. Après, en fait, à J+4, on va lui dire est-ce que vous voulez un rendez-vous, je suis disponible cette semaine, tout le truc que je vous ai dit tout à l'heure. On lui propose un audit gratuit, on va être dans une promo qui est un petit peu non agressif pour l'instant. Ensuite, derrière J+8, on écarte encore un petit peu le délai de message, on lui propose un itinéraire de oui. Ensuite, on écarte encore un petit peu le message et on lui propose par exemple pourquoi nous, ou une vidéo cartoon qui propose en fait de manière un peu plus ludique comment ça fonctionne votre produit, quels sont les bénéfices. J+25, par exemple, le coût de la non-décision, ça vous ne pas changer d'emballage, ça vous coûte tant d'euros. Ou par exemple, attention, plus vous attendez, plus vos malades, enfin plus vos, je sais pas si on appelle ça des résidents perdent leur capacité intellectuelle. C'est 5, vous mettez un truc, un malade d'Alzheimer perd 5% de capacité tous les semestres ou tous les trimestres, c'est le moment d'agir. Et là, les gens vont se dire, oh, putain, ouais, faut que je le fasse parce que à la fin, ça, ils vont plus être en état de rien faire. Donc en fait, ça c'est le truc assez classique. Il y a des alternatives à la suite de Fibonacci. Donc les alternatives, il y en a plusieurs. Il y a le rendez-vous. Alors c'est pas celui que je préfère, moi je l'aime pas trop, mais certaines personnes le font. C'est en fait le message tous les X jours, ou une fois par semaine. Vous allez donner comme ça un rendez-vous au client, bah, toutes les semaines, bah, voilà, vous avez la petite news ou le truc. Moi ce que j'aime pas, c'est que comme je vous le disais, quand il y a un lead qui est chaud, vous n'allez pas attendre 4 jours, une semaine pour lui envoyer, il faut absolument lui envoyer le message le plus rapidement possible. Par contre, il y a un truc qui est énormément à la mode actuellement, c'est le email quotidien. Alors ça nécessite un très gros effort, mais c'est ce que font les marketeurs, je ne dirais pas les plus évolués, mais les gens qui sont vraiment les plus... pushy, hein, et vraiment ceux qui cherchent vraiment à convertir un maximum, c'est l'email quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, tous les jours, ils vous envoient un email. Et à la fin, soit vous craquez, soit vous désabonnez, mais en tout cas, vous établissez une relation de confiance et en fait, vous balancez un max de messages. Mais c'est un gros travail. Moi, je le fais pas parce que ça nécessite vraiment un travail important de programmer au départ au moins une vingtaine de messages et après d'en créer d'autres au fil de l'eau. Mais c'est vraiment l'une des techniques qui est actuellement la plus intéressante. Il y a un marketeur américain que j'aime bien, qui s'appelle David Drucy, qui le fait. Et en fait, tous les jours, là, c'est la newsletter qu'il appelle The Daily. Et en fait, tous les jours, il envoie un petit conseil. Et donc, enfin, après, au bout d'un moment, ça s'est un peu espacé, parce que maintenant, il a du mal à faire en daily, même lui. Et donc, en fait, tous les jours, il me dit, voilà, un petit édito, 2-3 lignes. Ensuite, il met une promo. Et juste derrière, il fait un sujet de fond. Et parfois, vous avez l'intuition de clic, ah, ça m'intéresse. Non, ça ne m'intéresse pas. Et tac, tac, tac. Donc ça, c'est vraiment une pression importante. L'autre option, ça c'est ce que j'appelle moi la promo permanente. C'est encore une fois, c'est un autre système, c'est un système qui est assez proche. C'est la promo tout le temps. C'est-à-dire que la personne, elle vient de s'abonner et en fait, vous allez lui mettre la pression pour commander tout le temps. Pourquoi faut acheter mon produit, acheter le produit, promotion spéciale, pack, bundle, machin et tout ça. Et en fait, le but c'est de se dire, de toute façon, la personne, elle a téléchargé un livrement, un guide d'achat et tout ça, c'est maintenant qu'elle va commander et c'est pas plus tard. Si vous êtes par exemple à vendre des produits électroniques et tout ça, la personne, elle va l'acheter dans la semaine. Donc il faut commander tout de suite ou abandonner. Donc ça, c'est intéressant uniquement si vous avez beaucoup de nouveaux leads. C'est pas intéressant si vous êtes dans le B2B parce que y a des cycles d'achat. C'est super intéressant quand vous avez des cycles d'achat très courts et vous pouvez renouveler régulièrement les prospects. C'est par exemple intéressant pour les gens qui font du crédit ou crédit immobilier, non pas crédit immobilier, crédit à la conso ou des fiscalisations, parce qu'on sait très bien que le cycle d'achat est très très court. Alors je vous ai mis quelques exemples de séquences simples. Voilà, une séquence simple, vraiment très pratique. Merci, voici le guide, le livrement qui est téléchargé. J+1, est-ce que mon livrement vous a intéressé? Là on est vraiment dans un mode conversation. C'est important parce que là, on va être plutôt dans l'interaction et les gens vont plutôt se dire « c'est moi personnellement ». Typiquement, pour vous et pour dans le domaine de l'art, ça serait plutôt là-dessus. Est-ce que mon guide sur les 50 plus belles créations de design intérieur vous a plu? Est-ce que ça vous a donné des idées ou des choses comme ça? Donc vous êtes déjà dans l'engagement, vous posez une question à la personne et vous avez plus de chances d'avoir des réponses. Ensuite, J+3, un témoignage client, tout de suite pour montrer la crédibilité, puis les gens adorent les témoignages clients. Parce qu'en fait, surtout s'ils sont sectoriels, si vous adressez aux gens de la pharma et ils voient le nom de leur concurrent, et je dis, oh là, ça, ça m'intéresse, je vais regarder. Donc ça, tout de suite, vous avez un succès qui est important. J+6, proposition de rendez-vous. Encore une fois, la petite technique du rendez-vous, j'ai un créneau dans mon agenda ou des choses comme ça. Ensuite, les 7 bénéfices concrets, hein, pourquoi passer à ceci, cela. Ensuite, le ROI. Je vous aide à calculer la rentabilité de tel produit, de tel service. Donc ça, c'est vraiment simple à mettre en place. Comment, en fait, je sais pas, vous allez aider les malades d'Alzheimer à être plus autonomes. Là, encore une fois, vous dire, la non-autonomie des personnes, ça a un coût. Et ben, moi, je vous explique comment, grâce à ma formation, vous allez rendre les gens plus autonomes et donc gagner du temps. Ensuite, le coût de ne rien faire. Vous n'avez toujours pas, ne pas revoir votre stratégie d'emballage, vous coûtera de temps. Réussir étape par étape son projet. Comment mettre en place une stratégie, enfin, un programme pour aider les malades d'Alzheimer à être plus autonomes. Donc il y a ça. Puis à la fin, bien sûr, il y a votre prestat. Une promo spéciale, genre, tiens, voilà, cette semaine, je fais une promo sur les formations intra sur l'Alzheimer niveau 1, niveau 2. Est-ce que ça vous intéresse? Au lieu de X euros, c'est tant d'euros, mais attention, c'est place limitée, commandez-moi rapidement le truc. Voilà. Et ensuite, les FAQ, par exemple, sur votre sujet. On m'a posé souvent des questions sur ma prestation. Voici comment on y répond. Est-ce que ceci, c'est cela, ta. Donc voilà, ça c'est un exemple vraiment très simple de cycle qu'on peut faire. Et comme je le disais, en plus, on prévoit des emailing dédiés sur des événements, que ce soit un web séminaire, je participe à un salon, j'organise une journée porte ouverte, etc. Voilà. Un exemple de cycle d'achat aussi en B2B. Merci pour votre commande. Et derrière, en fait, on fait un upsell. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le one-time offer. C'est-à-dire qu'en fait, quand on vend un produit, les gens sont toujours, entre guillemets, dans l'euphorie de l'achat. On peut leur proposer directement, attendez, vous avez commandé tel produit, bam, je vais vous proposer une offre qui est valable uniquement maintenant pour vous, et vous ne pourrez jamais la retrouver. Voilà. Ensuite, comment utiliser votre produit. Ensuite, conseil numéro 1 sur l'utilisation du produit. Tout se passe bien, une offre irrésistible avec des avis clients pour, par exemple, passer en upsell, en cross-sell, etc. Conseil numéro 2, cross-sell, conseil, etc. En fait, voilà, c'est un truc vraiment très simple. Alors, quelques erreurs dans le marketing automation, c'est faire trop robot. Il faut vraiment mettre de l'humain, mettre votre nom, prénom, etc. Faites attention au vieillissement des contenus. Moi, pendant des années, j'avais laissé, je crois pendant 1 an ou 2 ans, j'avais laissé les mêmes messages, et c'est vrai qu'il y a une personne qui me dit « Oula, c'est des trucs qui datent ». Et c'est vrai que quand on a un cycle qui marche bien, on a un peu tendance à le laisser tourner. Si vous êtes consultant, ne donnez pas trop de gratuit au départ. Essayez quand même de vendre assez tout. C'est certes bien donner des conseils, mais il ne faut pas trop en donner. Il faut passer assez rapidement sur le rendez-vous et la vente. Varier les messages, fond et forme, email, mail texte, mail format HTML, etc. Utilisez les leviers émotionnels, voilà. N'hésitez pas à appeler vos prospects au téléphone, toujours, et ne faites pas une usine à gaz. Voilà. Donc pour après analyser les performances, vérifiez combien vous avez de lectures, combien de personnes... Ah, ça c'est les astuces. Pensez à des emails comme des conversations. C'est ça qui est comme vous avez, comment vous avez pensé, qu'est-ce que vous avez pensé de mon livre blanc, etc. C'est vraiment là-dessus que vous arriverez à réagir et pas faire un email promo classique. Voilà. Les offres limitées, j'en ai déjà parlé, les emails format texte, etc. Donc l'analyse des performances, c'est taux d'ouverture, taux de clic, nombre de mises en spam, les conversions, les ventes et tout ça. Voilà. Donc le plan d'action là, c'est simple. On était en fait sur la modélisation de son cycle. Vous allez voir comment vous allez convaincre le prospect de passer à l'action, comment se passe une vente, avancer la cycle de décision, et vous allez faire 7 messages. 7 messages simples sur Word ou au papier. Donc le bienvenu, l'information pour donner confiance, l'appel à l'action, l'information pour avancer dans la décision, en quoi vous êtes différent, proposer un rendez-vous en audit et le coût de rien faire. Voilà. Une petite séquence très simple. Alors, maintenant on va passer à la pratique. Donc comment ça se passe? Donc en fait, moi ici, comme je vous le disais, j'utilise GetResponse, qui est un petit outil de marketing automation. Donc en fait, il y a deux manières de le faire. Soit en fait, vous l'utilisez en autorépondeur, soit en automatisation. Je vous montre ici la partie automatisation simple. Donc ici, hop, je mets dans autorépondeur. Et ici, vous allez voir en fait mes séquences qui vont se charger. Donc j'ai, je pense, une dizaine de séquences différentes, de scénarios. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, je mets une quinzaine de séquences. On va en prendre une au hasard. Allez, tiens, hop, on va prendre celle-là. Chatbot. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Le jour J, ici, j'ai un premier message à envoyer immédiatement, sauf les samedis dimanches, parce que c'est du B2B. Donc voilà, elle nous définit le use case pour votre chatbot, rendez-vous de présentation, outil de calcul des ROI, la démarche pour mettre en place un chatbot, 10 étapes pour faire ceci, cela. Donc vous voyez, il y a 26 jours, et à chaque fois, vous avez le taux d'ouverture et le taux de clic. Alors ici, dans ce cas de figure, le taux d'ouverture est égal au taux de clic, parce que tout simplement, c'est un email 100% texte. C'est pour ça en fait que les taux sont égaux. Si c'est de l'HTML, il y a des taux qui sont différents. Donc je vous montre maintenant comment on fait en vrai. Alors je vais prendre une liste test. C'est supérieur en HTML. Comment? Alors en HTML, en fait, il y a un taux d'ouverture qui existe. En format texte, on ne peut pas calculer un taux d'ouverture, on peut uniquement calculer un taux de clic, parce que comme il y a, le taux d'ouverture se calcule généralement avec un petit pixel qui est dans le texte, enfin dans l'email, et qui permet, à chaque fois qu'on l'ouvre, ça lance en fait l'image, et comme ça on sait que l'image en fait est élue et on sait qu'il a été ouvert. Dans un email en format texte, on ne peut pas mettre d'image. Donc en fait, on ne peut pas savoir si la personne a ouvert ou pas, on sait juste quand la personne a cliqué, et comme elle a cliqué sur un lien qui est unique, on sait qu'il y a eu tant de taux d'ouverture. Et donc c'est pour ça qu'en HTML, vous avez un taux d'ouverture qui est supérieur au taux de clic, parce que tout le monde ne clique pas. J'ai été clair ou pas? Bon. Ah oui, alors ça, il y a aussi le fait que les images ne se chargent pas, c'est une petite subtilité qu'il peut y avoir aussi. Mais bon, en tout cas, retenez que email, HTML ou email texte, peu importe, faites les deux. Moi, je conseille vraiment de faire les deux. Surtout que l'email au format texte, il fait beaucoup plus email personnel ou il fait email promo. Donc, il ne faut vraiment pas que faire de l'HTML. Donc comment ça se passe? Ici, donc normalement dans cette liste-là, je ne dois pas avoir grand monde, ça doit être uniquement un petit texte, un fichier test. Donc ici, voilà, je crée un nouveau message. Donc ici, je vais dire, bah voilà, le nom de l'autorépondeur, ça va être par exemple bienvenue. Alors je vais vraiment faire un truc rapide. Donc le jour 0, dans cette liste-là, que j'envoie immédiatement sauf le samedi dimanche. Soit je choisis un message, soit je crée un nouveau message. Je vais choisir un message. Donc je choisis soit des modèles de newsletter, soit des autorépondeurs. Donc on va en choisir par exemple, tiens, voilà, voici vos accès à tel produit. Donc voilà, j'enregistre et je publie mon message. Et tac, voilà, j'ai fait mon premier message. Donc mon message de bienvenue. Ensuite, je me dis, bah voilà, je vais créer mon deuxième message, qui va être par exemple ROI. Qui va être envoyé le deuxième jour, on met un peu de pression, à partir du moment de l'inscription, sauf les samedis dimanches. Et là, bon, je vais créer un nouvel email pour vous montrer un petit peu, mais c'est comme n'importe quelle solution d'emailing. Là, vous indiquez ROI produit, voilà, vous indiquez votre nom interne, le petit objet, voilà, je vais mettre n'importe quoi. Si votre démarche, vous pouvez mettre un petit smiley si vous voulez. Ça aide un peu dans certains. Alors, ça dépend du secteur d'activité. Par exemple, dans le domaine des EHPAD, ça peut être un peu, voilà, un peu la limite. Mais dans l'art, ça peut passer. Dans le domaine, voilà, c'est un peu, voilà, c'est à voir. Bien entendu, vous pouvez également ajouter la petite personnalisation en disant, voilà, bonjour Fred. Ici, hein, first name. Là, vous augmentez encore plus le taux d'ouverture. Vous avez les expéditeurs, donc ça peut être Sabrina. Alors, généralement, j'ai beaucoup de succès avec Sabrina. Et c'est une non-assistante, elle est vraiment plus de succès. Donc, envoyez différents expéditeurs. Il y a Joël, il y a Fred, il y a Frédéric Cadélette, il y en a pas mal. Et après, vous pouvez modifier l'adresse de reply to, traquer les clics, traquer après les conversions avec Google Analytics. Donc, voilà. OK. Tac. Et ici, soit on utilise un modèle, donc HTML, soit en fait on va passer en message brut. par un message brut, je vous le montre, hein, c'est aussi plus simple à gérer hein, quand on ne connaît pas trop l'informatique. Vous avez juste en fait à mettre votre texte comme ça. Alors je ne sais pas si j'ai un texte qui traîne sous la main. Si vous pouvez retrouver ça, je prends n'importe quel texte. Hein. J'espère que vous allez bien. Oui, bon voilà, tiens, ça c'est un exemple. C'est un exemple d'email. J'espère que vous allez bien. Là, on est vraiment dans le personnel et que mon guide, un mois pour produire du contenu, vous a aidé à produire du contenu. Je serais vraiment honoré si vous en parlez à votre contact. Pour ça, c'est très simple. Tout de suite, copier-coller, machin, machin. Donc, ce message-là, c'est un message de parrainage qui est envoyé justement uniquement aux personnes qui sont contentes de la formation du produit. Donc, c'est pour ça que, bon, là, en autorépondeur classique, c'est pas génial d'envoyer ça parce que, imaginez que vous l'envoyez à quelqu'un qui n'est pas content, ça va le rendre encore plus furax. Mais bon, voilà, dans mon exemple-là, voilà, je vous mets ce message-là, c'est pour vous donner un exemple. Voilà, et donc, ROI produit, voilà, c'est fait, j'enregistre et je publie. Vous voyez, c'est vraiment simple, c'est pas très compliqué, on crée comme ça sa séquence avec ses messages qu'on aura préparés, et c'est tout. Une fois que c'est fait, ben, vous avez le taux d'ouverture, le taux de clic qui vont se mettre en place, et vous aurez vos statistiques. Voilà. Alors, bah, en fait, c'est dépendant des préférences. Là, vous n'avez pas d'impact. Sur Outlook, si la personne ne choisit pas par défaut, c'est pour ça en fait qu'il faut alterner message texte et message HTML et qu'il faut mettre des textes alternatifs pour vos images, etc. Ça, Marketing Automation ne changera rien du tout, malheureusement. Donc ça, on est sur le principe hein, de l'outil. Alors donc là, je vous ai montré, c'est l'autorépondeur. Donc, on crée une liste de prospects, on va choisir le titre du message, le jour d'envoi, la liste concernée, le type de message. On paramètre en fait le nom interne, les objets, les émoticônes, le suivi tracking des liens. Donc ensuite, bah, vous avez le bonjour personnalisé, un bonjour first name. Pourquoi le problème? Pourquoi je vous écris? La solution, l'appel à l'action avec le lien du blog ou tout simplement avec un numéro de téléphone. La signature et un petit PS. Ça marche pas mal les PS. Moi, je lui mets surtout, par exemple, si les gens disent « Je vous invite à un web séminaire, une journée porte ouverte », et les gens ils disent « Moi, je suis pas dispo », mettez PS. Ben, vous n'êtes pas dispo pour le web séminaire, donnez-moi votre email, je vous enverrai les slides. Ou « Vous n'êtes pas là pour la journée, j'organise une autre journée le tel jour. » Ou « Je peux vous appeler au téléphone » ou « Vous pouvez recevoir un truc. » Donc, le PS, c'est assez sympa. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la base assez simple. Ensuite, les optimisations, ben, voilà... Là, ici, vous allez voir en fait le taux d'ouverture, le taux de clic. On voit ici, par exemple, là, bam, ça chute. Mais c'est normal parce qu'en fait, c'est le rendez-vous client. Il y a quand même 4% de gens qui cliquent là-dessus, qui veulent avoir un rendez-vous client. Donc, vous voyez, c'est quand même assez intéressant de mettre en place ce genre de truc-là. Et après, vous dites, bah, tiens, finalement, celui-là n'est peut-être pas aussi performant que l'autre, peut-être que je dois changer. Donc, vous allez analyser vos différents taux d'ouverture, les taux de clic et votre rentabilité là-dessus. Après, vous pouvez bien sûr faire des relances et des segmentations, par exemple sur les ouvreurs, non-ouvreurs, etc., etc. Mais bon, ça, je ne vais pas insister. Donc là, je vous ai montré comment, en fait, à partir des messages qu'on a vus précédemment, vous allez pouvoir créer votre message. C'est pas compliqué, vous allez faire comme moi, hein, vous allez écrire vos messages sous Word, et puis là, par exemple, ça, c'est mes enquêtes de satisfaction, des pas contents. C'est les gens, ils sont pas contents et ils vont sur celui-là. S'ils sont contents, ils vont sur celui-là. Ce qui permet en fait d'avoir des messages différents entre les autres là, on verra ça dans le trigger marketing juste après. Donc faites un test après, on envoie manuel, chacun des messages peut vérifier tout ce qui est lien, etc. Et ensuite lancez votre cycle, et ensuite faites une analyse, hein. Est-ce que ça marche pas. Voilà. Donc ça c'était la partie autorépondeur. Est-ce que ça a été assez clair? C'est vraiment le niveau, je dis pas le niveau débutant, mais c'est vraiment un niveau simple de marketing automation que n'importe qui peut faire, et chez SendinBlue, vous avez un système qui est à peu près similaire à ça. Est-ce que ça vous paraît clair? Si vous avez Mailchimp, vous faites exactement la même chose aussi. C'est vraiment le niveau simple. Et quelles sont les meilleures plages horaires? Alors je ne l'ai pas mis là. En fait, ce qui se passe, c'est que dans des solutions de marketing automation comme GetResponse, vous avez en fait une option de mettre perfect timing. En fait, il essaye d'envoyer au moment où les gens sont susceptibles d'ouvrir le message. Alors, je ne suis pas persuadé que ça marche énormément, mais bon, voilà. Autrement, dans le B2B, ce qu'on dit généralement, c'est que c'est plutôt le mardi et le jeudi que ça marche mieux, parce que le lundi, les gens, ils sortent de week-end, ils ont plein d'emails à voir. Le mercredi, pas mal de gens sont avec les enfants. Le vendredi, moi typiquement, le vendredi, c'est un jour où ça chute pas mal, mais ça veut rien dire. Justement, est-ce qu'on peut jouer là-dessus et se dire, bien entendu. Tout à fait. Vous faites, c'est la B-testing assez simple. Donc voilà, ça c'est vraiment la base que n'importe qui peut faire. Oui. Là, vous avez pris un système d'automatisation de GetResponse. Oui. J'ai préparé mon mail, etc. Je ne fais pas envoyer, ça se traite automatiquement. Ah bah c'est fait, en fait, dès que vous avez cliqué sur mettre actif, là, voilà, je désactive, le message ne sera pas envoyé. Là, il est activé, c'est fait. Et si j'avais des gens qui étaient dans ma liste, ils me diraient, hey, t'as 15 000 personnes qui ont dépassé la date. Par exemple, je prends n'importe quel message. Allez, pour aller, je sais pas. De toute façon, la séquence est déjà liée, donc à partir du moment où le premier n'est pas activé, les autres. Si. Ouais. Tout part. Faut faire attention justement parce que si vous faites un mauvais message et que vous l'avez dites, ah tiens, je clique sur publier, et puis non, hop, bah, ça part direct. S'ils sont dans les... Par exemple, ici, là, voilà, j'ai 94 jours. Si jamais je crée un nouveau message là, j'en crée un nouveau, il va me dire ben, à quelle date tu veux le mettre. Je pourrais très bien la mettre au 13e jour, au 12e jour, mais à ce moment-là, je peux choisir que les gens qui ont dépassé la date le reçoivent ou pas. Pareil ici, si les gens sont au 94e jour, finalement, ils sont, là, il y en a comme 8000. Ben, si maintenant je crée un message qui est au 95e jour, il va me dire, est-ce que tu veux l'envoyer aux gens qui ont dépassé le 95e jour? Normalement, il y en a 8000 et quelques, et là, vous dites oui ou non. Voilà. Et ça, c'est une base qui est figée ou dynamique, du coup? Elle est dynamique, c'est-à-dire qu'à chaque fois, les gens rentrent en fait dans le cycle. Là, vous voyez, il y en a, là, il y a des dates qui sont un peu bizarres. À mon avis, vous voyez pourquoi ici, là, j'en ai 10 000, et là, j'en ai que 6 000. C'est que j'ai dû créer des nouveaux messages, les intervertir. Par exemple, ici, j'ai une promo. Là, j'ai un truc urgent, j'aimerais vous initier à ceci, cela. Ensuite, faites-moi plaisir, lisez cet email qui est une promo. Ensuite, mon avis sur ceci. Vous voulez plus de ventes, améliorer la conversion, blablabla. Donc, en fait, voilà, tous les messages s'intercalent, se mettent à jour et c'est live directement. Et là, vraiment, on est dans un système très simple. Là, ici, cette séquence-là, elle est faite pour nourrir, en fait, des gens. J'ai des séquences qui sont beaucoup plus agressives, hein, où on est dans la demande de rendez-vous, ou des choses comme ça. Et votre base, elle est alimentée comment? La base d'email ou la base de... La base de prospection, en fait. Les emails. En fait, c'est les formulaires, en fait. Hein. D'accord, directement le formulaire, vous mettez des... Ah oui, en fait, alors GetResponse et tous les autres outils, SendinBlue, Mailchimp, etc., vous permettent ici de mettre une adresse email. Donc ici, tac... hop, je clique là-dessus et hop, ça y est, je suis dans le cycle. Là, j'ai une petite page après qui me propose de répondre à des questions, des machins et tout ça. J'aurais pu faire un upsell, un truc comme ça. Et maintenant, si je retourne, alors je ne sais plus dans quelle liste j'ai mis, peut-être que je l'ai mis dans la liste, je vais aller dans les contacts là. Si on va aujourd'hui dans Prospect Blogging, ouais, je pense qu'on est dedans. Il y a quelques secondes pour que ça arrive, hein. Ah, parce qu'il est là, il est ici, et il est arrivé au message 0. Et par exemple, hein, je vous donne un exemple, ici, tac. Voilà, ici j'ai une liste, alors hop, j'en ai une, et en fait aujourd'hui, voilà, j'ai eu Agnès là, qui a téléchargé mon truc aujourd'hui. Hier, il y avait telle personne, et hop, ils sont partis, il y en a 278 qui sont dans ce cycle-là. Et en fait, il y en a 8 inactifs. Qu'est-ce que c'est ces 8 inactifs-là? C'est des gens en fait que j'ai déjà eu au téléphone ou qui m'ont proposé un rendez-vous, etc., etc. Et en fait, ces gens-là, tac, je pourrais dire, ben, Agnès, j'ai eu au téléphone, elle est plus intéressée, donc je la supprime de ma séquence, elle va plus recevoir les messages. Et en fait, par contre, si j'envoie un emailing sur un salon, un webséminaire ou des choses comme ça, je la mets dedans. Ça vous paraît clair? Oui, c'est clair, parce qu'après, là, je vois que vous passez par une API, entre justement... Voilà. En fait, c'est natif. Vous pouvez faire en fait des formulaires. Dans ce truc-là, vous avez des formulaires, des enquêtes de satisfaction, des quiz, vous avez des pages de vente aussi qui sont mises dedans. Si vous voulez après faire du marketing par email, très simple, vous pouvez faire aussi du flux RSS de votre blog vers l'email, envoyer automatiquement au newsletter, mais comme je disais, bon, ça n'a pas de valeur, enfin, c'est pas intéressant parce que vous n'êtes pas dans un système de cycle de vente, de tunnel de vente en fait. envoyer automatiquement des messages sur les derniers articles de blog, ça n'a pas d'intérêt, sauf à être éditeur de newsletter. Donc ça c'était, il est 22, ben, c'est pas mal. Donc ça c'était vraiment le niveau 1. Je pense que là, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, et c'est vraiment simple à faire, c'est vraiment le niveau de base. Maintenant, on va passer en fait au trigger marketing. C'est le niveau, comme j'ai un petit peu supérieur au niveau du marketing automation. C'est-à-dire que là, on ne va pas juste envoyer comme ça une séquence de messages qui va se dérouler, puis voilà. On va vraiment utiliser le comportement. C'est-à-dire qu'on va taguer les gens selon qu'ils ont été satisfaits ou pas du produit, selon qu'ils ont été sur un site internet et qu'ils ont visité tel nombre de pages. Par exemple, j'ai une gamme de produits d'emballage agro, une gamme de produits pharma. Et bien, ils vont arriver, si on clique sur les pages pharma, ou le témoignage du client qui est dans la pharmacie, ben après, derrière, je ne vais plus leur envoyer les témoignages sur l'agro, parce qu'on dit, mais qu'est-ce que vous m'envoyez là? Je leur envoie que des trucs sur la pharmacie, avec des messages, voilà, la pharmacie, la sécurité, le machin, tout ça, quoi. On va visiter, sur les pages visitées, les paniers abandonnés, le renvoi d'email, par exemple, tiens, il a visité ma landing page de mon produit, 15 minutes après, je lui envoie un message disant « Hey, je sais que vous êtes intéressé par tel truc, est-ce que ça vous intéresse d'avoir un rendez-vous » Des choses comme ça. On peut vraiment se dire 15 minutes après, 20 minutes après, voilà, je vous envoie un message. On peut faire du scoring selon les clics, les visites, de pages, etc. etc. Le scoring, c'est simple. La personne, elle a ouvert un email, elle a 5 points. La personne, elle a cliqué sur le lien, elle a 5 points. La personne, elle a ouvert un email à 5 points. La personne, elle ouvre plus des emails depuis un certain temps. Elle perd 5 points. Et on peut se dire, bah, tous les emails qui ont un score de 10, 20, 30, 40, 50, ils ont une communication spécifique. Voilà. Et on peut utiliser également des conditions. Par exemple, l'anniversaire. Je veux, dans mon site de marketing automation, envoyer un email de bon anniversaire à tous les gens qui sont inscrits. Donc voilà, c'est un truc qui est très simple. Si, par exemple, un client, il est pas content, ben, je vais lui proposer un rappel, donc un email d'alerte. Si, par contre, il est content, à ce moment-là, ben, je vais lui proposer de faire du parrainage, par exemple. Donc, je peux aussi me dire, tiens, j'ai une date de contrat que j'ai mis dans mon site de marketing automation, et fin de contrat, ben, je lui envoie un message, je lui dis, tiens, voilà, le renouvellement, il est temps de le faire, cliquez sur le bouton pour renouveler. Voilà. Et aussi, faire du split test d'image, etc., etc. Donc le trigger marketing avec GetResponse, c'est simple, il faut commencer par créer ses fameux formulaires, sa liste de contacts et les messages. Et ensuite, je vais vous montrer de manière très simple comment ça marche. Hop. Donc en fait, vous aurez même aussi en téléchargeant un petit modèle. Je me suis amusé à le faire hier soir, un modèle de message. C'est peut-être pas le plus complet, mais vous verrez que c'est pas mal. Donc en fait, dans GetResponse, on va aller ici dans automatisation. Tac. Et ça, là, ça va être un peu plus différent. Donc, par exemple, là, j'en ai un inactif, on va prendre plutôt un actif. Là, tiens, allez, hop, celui-là. Donc, c'est une séquence que j'envoie à des clients qui ont acheté ma formation LinkedIn. Alors, est-ce que c'est visible? Je vais mettre en plus gros. Ah non, je suis au maxi. Hop. Peut-être un peu plus visible comme ça, pour si vous êtes au fond. Là, vous voyez bien? Alors, il faut avoir de bons yeux, mais c'est normal parce qu'en fait, le cycle devient rapidement complexe. Donc, en fait, ça se passe comment? C'est qu'au début, en fait, on va dire, voilà, la personne s'est inscrite à acheter mon produit, la formation LinkedIn. En fait, dès qu'elle a passé commande, automatiquement, bim, elle arrive de manière automatique dans GetResponse. Il n'y a pas d'action à faire, c'est la liaison directe entre le système de paiement et ça. Ensuite, bon, voilà, j'attends un jour et je lui envoie un premier message qui lui dit « Voilà, avez-vous optimisé votre profil LinkedIn ?» Ça fait partie du truc, un jour après. Et ici, je mets une option, une condition qui est « Quand le lien est cliqué dans le message, est-ce que les gens ont cliqué ? Oui. Ou les gens n'ont pas cliqué ? Non. » S'ils n'ont pas cliqué, à ce moment-là, j'envoie un message un jour, juste derrière, et c'était un jour après, hein. C'était ça, un jour après. Est-ce que vous avez... je renvoie le même message. J'aurais peut-être dû d'ailleurs changer l'intitulé du message. Et donc après, derrière, ben, je leur dis est-ce qu'ils ont cliqué ou pas. S'ils ont cliqué, bim, j'attends 4 jours. S'ils n'ont pas cliqué, eh ben, j'attends un jour. et je leur envoie un message « Ne perdez plus de temps, automatisez votre prospection sur LinkedIn, etc. » Donc je leur envoie un petit message. Et les autres, en fait, eux, ils ont eu ce message 4 jours après, ne perdez plus de temps. Donc selon en fait les, la typologie de personnes, je leur envoie un message différent. Ensuite, j'attends 3 jours, et je lui dis, je leur envoie un message, j'aimerais avoir votre avis sur ma formation LinkedIn, parce que ça fait quand même une bonne semaine qu'il a commencé à utiliser la formation, donc normalement, elle dure 7-8 heures, donc ça devrait être bon. Et là, en fait, je lui dis, ben voilà, dans le message, c'est vrai que je vous le mets pas là, je sais pas si je peux vous le montrer. Non, je ne peux pas vous montrer, mais en tout cas, vous voyez ici la miniature. Ici, il y a un bouton rouge où il dit « Waouh, j'aime beaucoup », et il y a un bouton rouge où il dit « Waouh, non, j'aime pas du tout ». Et donc, s'il clique sur le bouton rouge « J'aime pas trop », et je lui mets un tag qui est pas content de la formation. Par contre, là, s'il est content, je lui rajoute 20 points en disant « Voilà, ça c'est un client bien », puis je lui dis « Ça, c'est les gens qui sont contents de la formation », ce qui me permettra après de les cibler. Et dire, les gens contents de la formation, bah, je vais leur proposer quelque chose, et les gens qui sont pas contents, je vais pas leur proposer. Ensuite, j'attends un jour, et je lui dis, je serais vraiment honoré si vous parliez de la formation LinkedIn à vos contacts. Et là, tout simplement, hop, si bah, il a cliqué sur le lien, j'envoie, à ce moment-là, j'attends 4 jours, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui est plutôt promoteur, et je lui envoie un message d'un client qui dit, il a suivi la formation, et il a déjà décroché son premier contrat. Donc un témoignage client. Et bah, s'il n'a pas cliqué dedans, et ben lui, il reçoit quand même le message d'ailleurs, et on n'attend pas 4 jours. Ensuite, si les clients sont contents de la formation, donc toujours les contents de la formation, j'attends un jour et je lui envoie une promo pour une de mes formations payantes. Je dis, bah attends, maintenant que tu es devenu un pro sur LinkedIn, c'est le moment de devenir un pro sur les autres réseaux sociaux. Et après, tu attends 3 jours. Et bah, si il est cliqué, je lui envoie, il a cliqué, ouais, s'il a cliqué, il est sur les liens. S'il a cliqué, en fait, il est intéressé par la formation blogging. S'il n'a pas cliqué, il est plutôt pas intéressé. Et à ce moment-là, bah, c'est quelqu'un qui est plutôt intéressé là-dessus. Donc je rajoute, c'est un bon client. C'est un mec, chaque fois que je lui propose quelque chose, il est intéressé. Donc ensuite, j'attends 4 jours et j'envoie un message qui disait, tiens, est-ce que vous avez regardé le dernier bonus de ma formation? Alors les autres, en fait, eux, en attendant, ben, les pas contents, là, j'ai pas fait un rappel, mais j'aurais pu faire un système de rappel. Voilà, c'est un truc qui est vraiment simple. Alors, je vais sauvegarder et publier pour quitter. Donc, c'est un exemple de message. Je vous montre peut-être un deuxième. Allez, hop. Ils sont à peu près similaires tout le temps. Allez, je vais vous montrer celui-là. Je ne sais pas si j'ai fait des trucs très différents. Donc, ici, le client s'est inscrit, on attend un jour, on lui envoie un message. Ensuite, ici, pareil, on attend 7 jours. Là, oui, c'est un programme en 7 semaines. C'est un programme en un mois. Donc, en fait, tous les semaines, il reçoit un message. Donc, il reçoit un message. Ensuite, on attend 2 jours. Et puis, j'aimerais avoir votre avis. Encore une fois, s'il est content, s'il n'est pas content, il reçoit un truc d'enquête. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Le parrainage. Ensuite, la promo, s'ils sont contents. Ensuite, je lui ajoute des points, ensuite on continue en fait sur la 3e semaine. Vous voyez, c'est un truc qui est vraiment simple, c'est à peu près le même que tout à l'heure. Donc voilà, on peut vraiment faire un truc pas très compliqué, pourtant très efficace. Je vous montre comment ça marche. Ici, on va créer un flux de travail. Donc on va construire depuis le début. Tac. Alors, le départ, c'est il s'est inscrit. Donc, je choisis l'inscription ici, hop, à un message. Donc là, c'est la version guidée. Sélectionner le message. Ah, bah là, je suis dans le tuto. Hop, on va arrêter. Alors, je vais cliquer sur le mauvais truc parce que là, on est dans le tuto. Je vais créer un flux de travail. Voilà. Alors, merde, parce que d'habitude, comme là, je suis en plein écran. J'ai pas cliqué sur le bon bouton, même modèle, bon, je peux importer aussi un modèle, ou je vais utiliser celui-là, tiens, on va prendre ce modèle-là. Donc comment ça marche? Hop, je mets à la fin, donc ici j'attends des jours, donc le basique c'était je me suis inscrit par telle méthode, je choisis... ouais. Ça veut dire quoi, je me suis inscrit? C'est-à-dire que j'ai mis mon email dans une liste. Par exemple, c'est les clients audit CRM, les clients blog, exactement. On part de l'inscription à l'email. Donc je me suis inscrit à Comparatif CRM, je me suis inscrit à l'e-commerce, je me suis inscrit à tel truc. Donc c'est des thématiques, si vous voulez. Chaque formulaire, en fait... Non. Non, 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 au départ, au départ, non. Par exemple, s'il est là-dessus sur Challenge 30 jours, à ce moment-là, en fait, il va, on choisit la liste, en fait. Par exemple, Challenge 30 jours, c'est ce formulaire-là. Challenge 7 jours, voilà, tac, c'est ce formulaire-là. Ouais, et donc, s'il choisit ici le blog, en fait, il va aller dans une autre liste qui va être la liste blog. Alors, elle est où, blog ? Prospect blogging. Donc, une fois qu'on a fait ça, tac, je vais descendre un petit peu. Donc ça, il s'est inscrit, donc en fait, on va lui envoyer un message tout de suite après. C'est vraiment très simple. Tac, ici, je lui dis, et je lui dis, tiens, je vais t'envoyer tel message, je choisis ici dans ma petite liste, donc mes listes des newsletters, de brouillons, d'autorépondeurs. Ici, on va choisir par exemple, tiens, avez-vous regardé le dernier bonus? Voilà, ensuite je fais ça. Ensuite, je vais me dire, bah tiens, je vais attendre, ici. Tac. Tac. Et je vais attendre combien de jours? Je vais attendre, par exemple, 3 jours. Je vais l'envoyer tous le samedi, dimanche. À 30 jours. Ah, 30 jours. Alors, hop. Tac. J'attends un jour, ensuite je vais par exemple lui envoyer un message. Voilà, vous voyez, je choisis mes messages que j'ai créés auparavant. Alors je vais juste finir ça, vous montrer ça. Allez, hop, essayez le système IO par exemple. Donc après, j'ai un système de filtre ou de condition. Par exemple, message ouvert, ou pas, est-ce qu'il a ouvert le message? Ah, s'il a ouvert à ce moment-là, et bien tout simplement on va. Hop, envoyer un message. S'il n'a pas ouvert, on va lui envoyer un autre message. Voilà. Alors, je vais sélectionner un message encore. Pouf, pouf, pouf. N'importe lequel. 10 étapes pour ceci, cela. Alors là, il me dit, tiens, ça vient d'une autre liste. Est-ce que tu as appliqué à cette liste-là? Oui, pas de souci. Si je veux supprimer ce truc-là, je clique sur le petit bouton. Les conditions, alors, est-ce qu'il a cliqué sur un lien? Tiens, voilà. Est-ce qu'il a cliqué sur le lien? Oui ou non? S'il a cliqué sur le lien, à ce moment-là, je vais peut-être l'explorer. Tiens, je vais mettre un petit tag en disant que c'est un gars qui est plutôt chaud sur mes produits. Donc, je vais créer un tag qui va être prospect chaud. C'est pour ça que c'est un peu plus compliqué que l'autorépondeur qu'on a vu tout à l'heure. Non, c'est bien, c'est super. Mais voilà, je préfère vous montrer. Et après, vous pouvez dire, bah, tiens, on va ajouter d'autres trucs. On va dire, tiens, finalement, ça aussi... alors, hop, je vais lui appliquer un tag et un score. En disant, bah, tiens, c'est un mec qui est là-dessus. Bah, quand il ouvre, je lui donne un petit score. Hein, je lui donne 5 points. On peut aller, je crois, jusqu'à... 995 000 points. Et je dis, bah tiens, finalement, la personne ici qui, ici, tac, alors, je vais juste faire ça, tac, hop, qui a ouvert le lien ou qui a fait ceci, je peux le scorer. Hop. Ah, je peux faire un certain nombre de... Là, je ne sais pas ce que j'ai foutu, mais je ne l'ai pas bien fait. Donc, je peux créer comme ça des conditions. Donc je peux vraiment voir lien cliqué, inscrit, un événement spécial. Ça peut être par exemple, tiens, c'est son anniversaire, un champ personnalisé, birth date. À quel moment vous voulez lancer la prochaine étape? Et bien en fait, immédiatement. Et à ce moment-là, j'envoie un message qui va être bon anniversaire, je vous offre un bon promo, par exemple. Voilà. Et ici... je le mets dessus, puis après il part dans la séquence classique. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est très simple. Dans ce petit marketing automation, il y a un mini CRM où vous pouvez aussi, entre guillemets, qualifier les gens selon leur avancée. C'est-à-dire que, moi j'utilise Salesforce au boulot, etc. Mais il y a un mini CRM qui permet de dire, voilà, les gens ils sont plutôt en phase de décision, d'achat et tout ça. Et par exemple, si vous taguez les gens et vous les mettez, bah tiens, ils sont mis en phase de négociation, vous pouvez mettre un petit filtre en disant, ben, ici, voilà, un filtre ou une condition. L'étape du cycle de vente, si dans le CRM, entre guillemets, de GetResponse, vous êtes à une étape qui est l'étape, par exemple, nouveau parcours de vente, n'importe quelle étape qui peut être, je sais pas, l'étape négo. À ce moment-là, en fait, s'il est en égo, eh ben, on stoppe tous les messages. S'il n'est pas en égo, à ce moment-là, ben, on continue dans le cycle normal. Donc, ce qui nous permet de ne pas envoyer à des clients des choses. C'est ça par prospect ? Non, c'est au global. Ah oui, par prospect, excusez-moi. Oui, oui, bien sûr. Puisqu'en fait, là, on se passe dans le cas du B2B. Du B2B où vous avez un faible nombre de prospects et que vous les taguez en fait, dans GetResponse ou dans Salesforce. Parce que c'est normal, parce que imaginez que vous ayez des clients qui finalement sont en égo, vous n'allez pas leur envoyer un email. Promo spécial, je fais moins 25% sur mes trucs. Voilà. Ça foutrait un peu mal. Donc là, on peut le faire soit avec l'email, le petit CRM qui est intégré dans GetResponse, qui est en très basique, soit vous pouvez utiliser une synchro avec Salesforce, soit comme tout à l'heure, ben, vous pouvez aussi dire ben, cette personne-là, tac, je la supprime de la séquence de marketing automation. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'était à peu près tout. Voilà, c'était pour vous montrer vraiment le basique. Ça permet de faire quand même des choses assez puissantes. Et après, vous avez des connecteurs avec d'autres applications. Donc, vous pouvez en fait lier ça à des sites d'e-commerce, si vous êtes dans l'e-commerce, etc., etc., à des CRM du marché et d'autres outils. Voilà. Est-ce que ça vous a paru clair la partie trigger marketing? Parce que c'est un peu plus compliqué que l'autorépondeur. Moi, je vous conseille vraiment commencer par l'autorépondeur qui est le plus simple. Et une fois que vous avez fait l'autorépondeur et que ça, vous êtes un peu familiarisé, vous pouvez faire ce truc-là parce que vous voyez quand même, vous avez plus d'options, plus de trucs à gérer et c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? 10h39, oui. Ah non, trop de clients, c'est pas le problème. Oui. Oui, oui, parce qu'en fait, le marketing automation doit se connecter au CRM. Est-ce que l'utilisation du CRM interne ne pourrait pas correspondre? Parce que le souci, là, c'est que si on a des gens qui rentrent via cet outil, comment on descend tout ça en fait, justement, tous les outils de marketing automation sont connectés au CRM. Donc, si vous avez Salesforce, Microsoft CRM, tous ces trucs-là, HubSpot et compagnie, c'est géré nativement. Si vous avez un CRM métier ou un ERP métier, à ce moment-là, il faut faire des connexions avec. Et ça, c'est un peu plus compliqué, ça coûte forcément un petit peu plus cher. Mais absolument, hein, le marketing automation vient compléter le CRM. Il ne vient pas remplacer le CRM. Là, ils ont un mini CRM dedans parce que y a plein de petites entreprises qui n'ont pas de CRM et qui veulent en fait avoir juste un truc de base pour savoir qu'est-ce qu'il y a comme prospect, qu'est-ce qu'il y a comme client, puis pas leur envoyer les messages. Mais moi, en fait, je bosse dans une boîte où on est 100 personnes, et ben en fait, il y a une intégration avec Salesforce. Parce que on ne va pas envoyer les mêmes messages à tout le monde, et puis quand on change de statut, qu'un client est passé, enfin qu'un prospect est passé en client, et il va en fait changer, il va pas être dans le même cycle, et on arrête le cycle. Après, on peut le faire de manière manuelle, quand on est dans une petite boîte. On se dit, ben voilà, finalement, celui-là, je l'ai traité. Moi, c'est ce que j'ai fait pour les petits prospects chatbots. Je ne me suis pas amusé à... Enfin, je vais dessus. La personne m'a envoyé un email parce que c'est un email qui les gens ont l'impression que je leur envoie un email depuis ma boîte à moi. Et je sais que cette personne-là qui me dit, non, je suis juste étudiant, ou non, je ne suis pas intéressé, ou non, c'est trop cher, ou je faisais juste regarder. À ce moment-là, boum, je la supprime manuellement de la liste. C'est un petit travail manuel, mais c'est mieux. Et par contre, il reste toujours dans le CRM. Parce qu'en fait, le principe, c'est que vous avez des formulaires ici qui sont gérés soit par l'outil de marketing automation, soit par une couche supplémentaire. Mais ensuite, c'est en fait une intégration et une liaison totale entre le marketing automation et le CRM. Ils ne fonctionnent pas de manière étanche, ils fonctionnent en liaison. Je pense que c'est important de penser à l'intégration. Tout à fait. Bah oui, parce que... Alors après, ça peut devenir quand même assez complexe, hein, si vous voulez avoir le scoring qui remonte en fait dans le CRM, et ça se fait pas, enfin c'est pas hyper compliqué, mais ça se fait pas en traquant de souris. C'est pour ça que l'autorépondeur est parfois plus simple. S'il a cliqué sur un lien, ça serait intéressant de pouvoir descendre l'information du CRM. Ah, bon, de toute façon, vous pouvez regarder, il y a un GetResponse, je sais pas, vous avez un CRM particulier, Salesforce ou autre chose? Zoho, oui, Zoho, bah, Salesforce, Zoho, à mon avis, comme c'est un des leaders du marché. Voilà, en fait, alors, il vous propose plutôt d'utiliser Zapier, qui est en fait un intermédiaire. Et donc là, il nous explique comment il fait. Alors, quand vous avez un nouveau contact dans GetResponse, il vous crée un lead dans Zoho CRM, voilà, par exemple. Et là, quand un contact je sais pas, est updated, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques petits triggers, new lead, new form, new user, updated. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses, mais il y a au minimum le fait de pouvoir prendre un contact et le transférer en fait, dans Zoho CRM. Et je pense que avec un petit peu de dev, on peut aller jusqu'à transférer des scores et tout le bordel. Et les clics. Alors, on arrive à la fin de ce petit module qui est le dernier, qui était, bon, voilà, le but c'est de réutiliser vos messages d'autorépondeur. Comme je le disais, on ne va pas réinventer la roue, mais on va réutiliser. Ajouter des conditions supplémentaires, le questionnaire de satisfaction sur le comportement, ça je pense que c'est assez important pour pouvoir envoyer les bons messages et, et surtout corriger l'insatisfaction. Les offres anniversaires s'il y a des anniversaires. Le tracking du site web, s'il a visité telle page du site web, à ce moment-là, on lui envoie tel type de promotion, les clics ou pas, la B-testing, et ensuite, bien sûr, définir vos propres conditions. Voilà, on en arrive à la fin de cette présentation. Ce que je voulais vous dire, simplement, c'est de passer à l'action et définissez où vous devez agir en priorité. Est-ce que c'est sur les prospects? Est-ce que c'est sur vos clients? Parce que parfois, vous avez une base de clients importante, vous pouvez les réactiver. Le plus compliqué, c'est vraiment de définir les scénarios. C'est pour ça qu'on a passé 80% du temps à définir les scénarios, savoir ce qu'on va dire, et on a passé que 20% du temps à créer des petits embranchements parce que c'est pas ça qui est le plus intéressant. Donc, faire le minimum, faites éventuellement un autorépondeur avant de faire quelque chose de très compliqué, faire vraiment simple, et ensuite, vous allez enrichir au fil de l'eau les messages. Commencez par 7 messages qui vous permettent de tenir 15-20 jours et un cycle de vente classique. Et après, vous ajoutez des messages au fil de l'eau. Voilà. J'en ai fini pour la présentation. Si vous avez des questions, je suis à votre dispo encore maintenant. Merci, merci.